qui travaillent à l'animation et au contact, qui pourront s'en charger, et on peut aussi faire appel aux bénévolats dans les établissements. C'est une dépense de 40 000 euros. Au niveau de la crise sociale, bon, je vais répéter des choses que vous connaissez, mais forcément, elle s'aggrave. Les reportages se succèdent sur l'augmentation de la pauvreté et les associations caritatives dans notre département, mais là aussi, croulent sous les demandes, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, etc., etc., parce que ben, y a des gens qui s'enfoncent dans la pauvreté parce qu'elles ont perdu ben, un petit boulot, elles ont perdu une activité complémentaire qui leur permettait de vivre ou de survivre. Ça a un impact direct sur nos dépenses sociales, puisque si l'on regarde le compte administratif de 2019, eh bien, par rapport à ce compte-là, c'est une augmentation de 14,3 millions d'euros de plus de dépenses sociales réelles enregistrées sur le compte administratif de 2019, pardon, et soit une augmentation de 5,9%. Et pour ce qui est de 2020, on chiffre à peu près à 9% l'augmentation. C'est ça, monsieur Lécret ? Bon, bref, tout ça, vous le savez. C'est pourquoi, dès que j'en ai l'occasion, je demande à ceux qui nous représentent au Sénat et à l'Assemblée et aux gouvernants, mais de sursoir à des réformes qui ne feront qu'aggraver la pauvreté. C'est la réforme de l'allocation logement, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Mais ça, c'est un débat national. Et de la même façon, dès que j'en ai l'occasion, je pense que la discussion sur un revenu de base est de plus en plus une discussion d'actualité. Pour ce qui concerne notre collectivité, quelques infos. D'abord, le budget participatif fonctionne bien. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le vote a démarré pour trois semaines et on craignait qu'à la deuxième mouture, on ait moins de projets qui émergent. Et en fin de compte, non. Le monde associatif est très imaginatif et on a eu à peu près le même nombre de dossiers. Et on en a autour de 300 qui sont soumis au vote. 300 dossiers, projets soumis au vote. Et déjà depuis hier, plus de 2000 votants. On a 300 dossiers qui sont soumis au vote. Et Mathieu me dit qu'on a eu plus de 2000 votants alors que le vote ne s'est ouvert que hier. Le congrès des départements de France qui était prévu à La Rochelle a été ajourné et reporté au printemps. Vous avez tous entendu que la date des élections départementales sera repoussée du mois de mars au mois de juin. Le Parlement doit voter un texte là-dessus. N'oublions pas quand même qu'il y a une clause de revoyure dans cette affaire-là et que la situation sanitaire sera réexaminée au mois d'avril par rapport à la tenue des élections. Si la stabilisation ou la baisse de la circulation du virus se maintient, bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés. Donc, en tout cas, on va faire comme si les élections avaient lieu au mois de juin. Pour en revenir à la session, et je vais avoir bientôt fini, les commissions se sont réunies en visioconférence hier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais rapporter les 70 dossiers. Chaque fois que quelqu'un demandera la parole, ça s'affichera sur l'écran. Moi, je ne le verrai pas, enfin, je le vois aussi, mais je ne pourrai pas tout faire à la fois. Mais il suffit de cliquer sur la main et vous interviendrez lorsque vous le voudrez. Je vous rappelle qu'on est en direct. Je vous demande de couper vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Et les présidents de groupe, je l'ai déjà dit, interviendront comme d'habitude à l'issue de la session pour expliquer les votes. On a eu trois motions. Une motion de soutien aux commerçants et artisans de proximité qui est déposée par le groupe RDD. Je ne sais pas, elle a été approuvée en commission, je suppose. Non, ils n'ont pas voté les commissions.
Bon, pour ma part, bien évidemment, je vous engage à voter unanimement cette motion. On a une motion relative à l'avenir de la ligne Périgueux-Agen qui est déposée par l'intergroupe majoritaire. Je vous invite à la soutenir aussi. Et enfin, une motion relative au financement des allocations individuelles de solidarité qui est déposée par l'intergroupe majoritaire. Je vous invite à la voter aussi. C'est un sujet récurrent. On n'arrête pas de demander à l'État de compenser au niveau des départements des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en préambule. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole à ce moment-là? Je ne vois pas de main se lever et donc je vais faire défiler les rapports. Vous aviez trois documents sur les rapports. Il y a un document qui regroupe des rapports que l'on appelle divers. Vous l'avez de façon, moi je l'ai en papier, vous l'avez de façon immatérielle. Ensuite, je ferai les rapports relatifs au fonctionnement et ensuite les rapports relatifs aux investissements. Voilà. Donc je vais les faire défiler et vous m'arrêtez ou je ne vais pas vous faire voter à chaque fois, hein, mais vous m'arrêtez et vous levez la main s'il y a une prise de parole. Et Mathieu est chargé de regarder ça. Alors, je commence par le rapport 272, qui est... Alors, les premiers rapports d'hiver, il y a beaucoup de rapports qui concernent nos finances et qui concernent des affectations, des dernières affectations. Voilà. Alors, est-ce que tu veux les commenter, Marc, ou pas? Alors, le rapport numéro 272 consiste donc à adopter le nouveau règlement budgétaire et financier. C'est un rapport purement technique avec ce règlement qui définit en fait les conditions dans lesquelles on doit procéder au niveau des services départementaux au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes. Merci. Pas d'opposition. Il est adopté. Le 273. Allez, monsieur Bécré, on y va. Alors, le 273... Le 273, c'est le rapport concernant les emprunts départementaux, puisque vous avez donné délégation au président donc, pour qu'il procède donc, à la signature des contrats avec les organismes bancaires pour souscrire les emprunts qui sont nécessaires au financement des investissements du département. Donc, il vous est rendu compte des emprunts qui ont été passés dans le courant de cette année, avec leurs caractéristiques respectives. Pas d'opposition. Alors, je vous rappelle, mes chers collègues, que tous ces rapports ont été votés en commission. Ils ont tous été adoptés en commission. Je ne le répète pas à chaque fois. Pas d'opposition. Il est adopté. On passe au 274. Le 274, il s'agit du renouvellement de la ligne de trésorerie du département. Donc, il s'agit de prendre acte du fait que nous avons contracté cette ligne de trésorerie cette année avec la Caisse d'épargne, alors que c'était notre organisme bancaire les années précédentes. Mais l'offre la plus intéressante était fournie cette année par la Caisse d'épargne. Il faut aussi mentionner que notre situation financière qui s'améliore justifie que le montant de la ligne de trésorerie soit en baisse. Il y a quelques années, on contractait une ligne de trésorerie de 40 millions d'euros et on est à 20 millions d'euros cette année. Parfait, pas d'opposition, il est adopté. Le 275. Le 275, il s'agit d'autoriser le président, comme dans l'ensemble des collectivités locales en France, à prendre en charge en début d'exercice N+1, c'est-à-dire en début d'exercice 2021, donc d'avoir la possibilité de mandater avant que le budget soit voté dans la limite de 25% des lignes votées l'année précédente, c'est-à-dire au cours de l'exercice 2020. Pas d'opposition, il est adopté. Le 276. Le 276, là aussi, vous avez donné délégation au président pour rester en justice et donc à chaque réunion de l'Assemblée départementale, le président vous rend compte de l'usage de cette délégation et donc le rapport
je vous demande de prendre acte de la liste des contentieux pour lesquels nous sommes engagés. Très bien, pas d'opposition, il est adopté. Le 277. Donc le 277 et le 278 sont deux rapports qui visent à modifier des désignations pour prendre en compte le fait que Marie-Claude Varias donc, est depuis quelques semaines donc, sénatrice et que donc, elle n'a plus la possibilité de faire partie de l'exécutif collégial de la collectivité départementale. Vous avez voté lors de votre réunion du 2 octobre dernier la désignation de Juliette Nevers en qualité de vice-présidente en charge du logement. Donc, sur ces deux rapports 277 et 278, il s'agit de modifier un certain nombre de désignations pour prendre en compte ces modifications. Très bien, pas d'opposition. Donc, les deux rapports 277 et 278 sont adoptés. On passe au 279. Le rapport 279 donc, consiste en un avenant au contrat de délégation de services publics avec la Cémitour. Je vous rappelle que pour faciliter les investissements sur nos sites et monuments historiques départementaux, il nous arrive ponctuellement de solliciter la Cémitour pour qu'elle participe à ces investissements. Vous avez décidé l'an dernier de réaliser les travaux d'aménagement d'une nouvelle boutique au château de Biron, pour laquelle la Cémitour devait participer à hauteur de 200 000 euros. Compte tenu du contexte de la pandémie, vous imaginez bien, on y reviendra sur le rapport suivant, que les comptes de la Cémitour pour l'exercice 2020 vont être particulièrement dégradés. Donc, au titre de ce rapport 279, il vous est proposé de renoncer à la contribution aux investissements à la boutique de Biron qui était prévue à hauteur de 200 000 euros d'apport de la Cémitour. Bon, les finances départementales permettent de prendre en charge cette dépense et permettent donc, en conséquence, de ne pas alourdir les comptes de la Cémitour au titre de 2020. Parfait. Pas d'opposition. Il est adopté. Et on en vient au rapport suivant qui, justement, détaille la question des comptes de la Cémitour. C'est le 280 et vous vous doutez que la situation de la Cémitour a été gravement affectée par l'arrêt de l'ouverture de nos sites. Monsieur Becret, c'est à vous. Donc, dans la délibération qui vous est proposée d'adopter, il y a en réalité deux aspects. Il y a d'abord l'approbation des comptes de la Cémitour au titre de 2019. Ces comptes sont excédentaires, ils sont positifs, hein, et ils s'inscrivent dans la continuité, je dirais, du modèle économique de fonctionnement de la Cémitour, qui est plutôt vertueux. Donc, je pense que cet aspect ne doit pas poser de difficultés. Mais en complément de l'approbation de ces comptes, il vous est demandé de valider l'accord de partenariat avec les deux principaux actionnaires privés de la Cémitour, qui sont le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts, qui, au vu donc de la situation de la pandémie de cette année, qui va peser sur les comptes de la Cémitour, puisqu'on s'attend à une diminution du chiffre d'affaires de l'ordre de 25 à 30% et vraisemblablement au constat que vous devrez faire l'année prochaine à cette période d'un déficit d'exploitation qui devrait tourner autour de 500 000 euros. Il a donc été jugé souhaitable de solliciter les actionnaires privés de la Cémitour, principalement donc le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts, pour qu'ils s'engagent à apporter du capital supplémentaire, ce que ces deux actionnaires ont accepté de faire respectivement pour un peu moins de 500 000 euros, donc deux fois un petit peu moins de 500 000, ça fait presque 1 million d'apports en capital sans que le département ne mette de l'argent frais dans la Cémitour. Ça veut dire qu'au final, si vous approuvez donc la proposition, notre part dans le capital de la Cémitour sera réduite, mais restera supérieure à 50%. Nous restons l'actionnaire majoritaire. Cette proposition qui vous est faite, d'abord, elle manifeste la confiance de nos partenaires privés, de nos banquiers, la Caisse des dépôts et
le Crédit Agricole dans le fonctionnement de la Semi-Tour. Et cette confiance et cet apport au capital à presque 1 million d'euros va permettre à la fois de passer le cap de cette année 2020 difficile pour la Semi-Tour, sans compromettre la politique de développement de la SEM. Très bien, pas d'opposition, mes chers collègues. Il est approuvé le 280, on passe au 281. Le 281 donc vise à approuver les comptes annuels 2019 de la SPL LASCO, l'exposition internationale. Donc les comptes 2019 font apparaître un résultat de gestion 2019 qui est déficitaire, mais malgré tout, le résultat global reste satisfaisant, puisque je vous rappelle que le capital de la SPL qui a été apporté à la fois par le département et par la région Aquitaine s'est levé initialement à 300 000 euros, et donc que les résultats globaux sont de l'ordre de 320 000, donc on n'a pas entamé les apports en capital initialement effectués par la région et par le département. Il ne faut pas cacher là aussi que la pandémie de Covid-19 a affecté aussi en 2020 l'activité de la SPL, puisque l'exposition qui devait avoir lieu, qui avait été installée à Naples, n'a pas pu se dérouler normalement. André Barbé, en tant que directeur général de la SPL, travaille en fait à renouveler le contenu de l'exposition de manière à développer les contenus dématérialisés en 3D, avec la perspective à partir de l'année prochaine de se recentrer sur des présentations essentiellement en Europe, de manière à ce que cet outil nous serve d'outil d'appel pour faire venir, lorsque nous serons revenu à une situation normale, pour faire revenir la clientèle européenne, anglaise, hollandaise, allemande, d'Europe du Nord, pour la faire revenir en Dordogne lors de la prochaine saison touristique. L'exposition de Naples a été montée, puisque il a été décidé la veille du départ et deux jours, la veille de l'inauguration, il a été décidé de repousser l'inauguration. Elle a été tronquée, mais les Italiens nous ont quand même réglé. Par contre, on devait inaugurer le 7 juillet la même exposition à Casablanca, et là, forcément, tout s'est arrêté. Mais le Maroc est toujours preneur dès qu'on pourra reprendre les activités. Mes chers collègues, est-ce qu'il est adopté? Il n'y a pas d'opposition? Oui. On passe au 282, c'est la Semiper. Donc, il s'agit là aussi d'approuver les comptes de la Semiper au titre de l'année 2019. Ces comptes sont légèrement excédentaires. Donc, ça traduit donc la politique de redressement de la Semiper, donc, qui est mise en œuvre depuis plusieurs années. Et là aussi, il faut prendre acte, je dirais, de la confiance retrouvée avec notamment la Caisse des dépôts et consignations, puisque donc, vous avez validé donc, il y a quelques mois le principe de construire dans la zone d'activité derrière la gare à Périgueux une maison départementale de l'habitat dont la maîtrise d'ouvrage sera confiée à une société d'investissement qui sera constituée conjointement par la Semiper et par la Caisse des dépôts. Merci pour les clés. Pas d'opposition, chers collègues. Il est adopté. On passe au 283. Le 283, il s'agit donc d'un rapport habituel. Chaque année, à cette période, vous êtes invité à définir les taux directeurs d'augmentation des budgets des établissements et services médico-sociaux que le département finance. Donc, il vous est proposé là, en l'occurrence, de reconduire globalement un taux directeur comparable à celui de l'an dernier de 0,8%, de manière donc à faire face aux besoins des maisons d'enfants à caractère social, des foyers pour personnes handicapées, des EHPAD et également des services d'aide à domicile.
Pas d'opposition. Il est adopté. On passe au suivant, c'est-à-dire au 284. Le rapport 284 est là encore un rapport très technique qui est lié aux modalités de traitement comptable de l'incendie donc, qui a détruit le laboratoire départemental d'analyse, puisqu'il faut procéder à un certain nombre de régularisations dans l'actif du conseil départemental, en tenant compte du fait que 80% du laboratoire, du bâtiment, a disparu dans l'incendie, mais qu'une partie, notamment les fondations, ont pu être sauvées. Donc ça induit des écritures assez complexes qu'il vous est demandé de valider. Très bien. Pas d'opposition, mes chers collègues. Il est adopté le 286. Le 285. 285, pardon. Le 285 a également trait donc, au laboratoire départemental d'analyse. Il vous est demandé de fixer les durées d'amortissement des biens attachés donc, à la vie du laboratoire départemental et notamment au bâtiment lui-même. Vous savez que la durée d'amortissement donc, conduit, qui est fixée, conduit dans la comptabilité du laboratoire à mettre en place une comptabilité d'amortissement qui pèse sur l'équilibre global du laboratoire. Et donc, pour limiter donc, les effets de cette obligation juridique, il vous est notamment proposé de fixer la durée d'amortissement du bâtiment à 50 ans. Voilà. Très bien. Pas d'opposition. Il est adopté le 286. Il s'agit de la délégation de l'aide à la pierre. Alors, sur la délégation d'aide à la pierre, vous savez que donc, nous nous efforçons d'utiliser au mieux les enveloppes de crédit et les enveloppes de prêts aidés qui nous sont notifiées chaque année par les services de l'État, en l'occurrence la DREAL. Et il arrive souvent qu'en fin d'année, dans la deuxième quinzaine de décembre, l'État nous notifie des enveloppes complémentaires qui sont laissées disponibles par d'autres départements de la région qui ne sont pas aussi réactifs que nous. Comme nous n'avons plus de commission permanente après la mi-décembre pour affecter ces enveloppes, vous avez donné délégation au président pour qu'à titre exceptionnel, il le fasse lui-même par arrêté, à la condition, bien entendu, qu'il vous rende compte des conditions d'utilisation de cette délégation. C'est ce qui est fait dans ce rapport rappeler les décisions qui ont été prises en fin d'exercice 2019 à ce titre. Très bien, merci M. Becré. Pas d'opposition, chef. Alors, il y avait une remarque, je crois, en commission de M. Ozou, qui souhaitait ne pas prendre part au vote, me semble-t-il. Il faut qu'il mette son micro. Il faut activer son micro. Est-ce qu'on en est toujours au même point? Oui, il veut pas. Oui. Il faut qu'il active son micro. Oui, M. Ozou, vous pouvez parler. Il faut qu'il active son micro. Activez le micro, vous avez la parole. Président, je souhaite à ce moment du débat être exclu de toutes les décisions concernant Périgord Habitat, Grand Périgueux Habitat, c'est-à-dire quand j'étais président de Grand Périgueux Habitat, et de toutes les décisions concernant Domo France. Vous avez entendu? Pourquoi? Mais tout simplement parce que je te rappelle qu'on est aux deux extrémités. Tu devrais avoir la même précaution. On est au... Voilà. Un établissement public. C'est pas un désaccord. Hein. C'est pas un désaccord, c'est une posture déontologique. Bon. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est un établissement privé. Non, c'est un établissement public, mais... Bon, c'est pas... On prend note de votre remarque, M. Jou. Grand Périgueux Habitat et Domo France. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il s'abstient? Non, il ne prend pas part au vote. Ah, vous ne prenez pas part au vote, d'accord. Alors, on peut passer maintenant, donc le 286 est adopté, on passe au 287,
Toujours l'habitat, c'est le plan de relance. Oui, donc lors de votre session du mois de juin dernier, vous avez adopté un certain nombre de dispositions pour soutenir le secteur économique du bâtiment. À titre exceptionnel, donc, vous avez décidé de dispositifs d'aide d'une durée limitée à une année pour les propriétaires occupants. Donc, il s'agit ici d'ajuster ce dispositif d'aide pour mieux répondre, en fait, aux besoins des propriétaires occupants de conditions modestes. Parfait. Pas d'opposition. Il est le 286 adopté. 287. C'était 287. Il est adopté. On passe au cinéma avec le 288. Alors, le 288, il s'agit en fait de la convention pluriannuelle de coopération avec le CNC, le Centre national du cinéma, dans le cadre de la mise en œuvre donc, de notre fonds de soutien à la production cinématographique qui permet donc à la Dordogne d'accueillir régulièrement des tournages, ce qui contribue d'une part à la promotion du département et ce qui permet également de mettre en œuvre une activité économique non négligeable, à la fois pour le secteur hôtelier, pour les accueils des équipes des tournages, mais aussi pour les intermittents, que ce soit les comédiens ou les techniciens du spectacle, qui permettent à ces différentes occasions de travailler. Sur ce rapport, donc vous avez été destinataire hier d'un amendement, puisque hier matin, le CNC nous a transmis la dernière mouture de la convention. Ce sont uniquement des ajustements d'ordre technique, hein, mais je tenais à vous le signaler, ce n'est pas la convention qui figurait dans l'envoi initial, mais celle qui vous a été adressée hier après-midi, qu'il vous est demandé d'adopter. Pas d'opposition, il est adopté le 289. En ce qui concerne donc les rapports 289 et 290, ils ont le même objet. Il s'agit en l'occurrence pour deux partenaires culturels importants du département situé à Bergerac. D'une part, le Melchior Théâtre et d'autre part, la salle de musique amplifiée, le Roxane, de définir donc les conditions de notre soutien et de notre coopération pour la période 2020-2022 pour le Melchior Théâtre et 2021-2023 pour le Roxane. Parfait, pas d'opposition, mes chers collègues. Donc le 289 et le 290 sont adoptés. Voilà pour les divers. On va maintenant commencer les rapports qui concernent le fonctionnement. Alors, mes chers collègues, on démarre par le 247. C'est une aide exceptionnelle au département des Alpes-Maritimes suite aux dégâts absolument extraordinaires qui ont ravagé, vous le savez, la vallée de la Roya, la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie. Il vous est proposé d'allouer 50 000 euros au département des Alpes-Maritimes. Pas d'opposition, il est adopté. Le 246, allez-y, M. Mécré. Le 246, donc, porte sur le personnel départemental. Il convient tout d'abord de dire qu'il ne vous est proposé de voter aucune dotation financière complémentaire, c'est-à-dire que la masse salariale prévisionnelle qui a été votée en début d'exercice est largement suffisante pour couvrir les besoins, ce qui atteste de la gestion rigoureuse donc, de cet aspect de nos finances. Il vous est proposé un certain nombre de créations ou de transformations de postes qui relèvent en réalité de trois types de problématiques distinctes. Tout d'abord, il s'agit de définir de façon précise les profils de poste pour des recrutements suite à des départs à la retraite dans différents services, la direction des routes, le service de la communication, etc. Dans un deuxième temps, il s'agit de prendre en compte les décisions qui ont été prises par le gouvernement cet été qui visent à intégrer en catégorie A un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices de la filière médico-sociale, des orthophonistes, des orthoptistes notamment. Et puis ensuite, il vous est proposé des créations de postes qui ont trait à deux sujets particuliers. Le premier porte
sur la prise de délégation en matière d'aide à la pierre de type 3 dont vous avez décidé le principe le 2 octobre dernier. Cela signifie qu'à compter du 1er janvier 2021, nous gérerons la totalité des aides de l'ANA en matière d'habitat privé. À ce titre, il est nécessaire de créer une équipe de 5 instructeurs des aides, puisque cette prise de compétence n'est accompagnée d'aucun moyen par les services de l'État. Ces 5 instructeurs, ces 5 postes seront pourvus par 3 redéploiements en interne et par 2 créations de postes nouvelles qu'il vous est proposé de valider. En complément, il vous est proposé de créer 5 postes de durée temporaire d'une année au profit de la MDPH. Vous savez que nous avons au titre de la MDPH de nombreux dossiers à instruire. Nous avons actuellement 6000 dossiers en stock. Ce stock, il s'est accru notamment pendant la période de confinement du printemps dernier, puisque les agents, les collègues qui instruisent ces dossiers ne pouvaient pas le faire en télétravail, puisque ces dossiers ne sont pas dématérialisés, ils sont encore à gérer en version papier. Donc, pour résorber le retard accumulé, il vous est proposé de créer une équipe administrative et médico-sociale complémentaire de 5 agents, de manière à ce que d'ici la fin de l'année 2021, on réduise par 2 le stock de dossiers. Il vous est proposé de créer ces 5 postes, mais il faut que vous sachiez que la MDPH, donc, qui n'a pas les moyens en termes d'ingénierie administrative et technique d'assurer le recrutement de ses propres personnels, nous le confie, et c'est donc le département qui assume cette mission, mais la MDPH nous rembourse les dépenses. Donc, les réserves dont dispose la Maison départementale des personnes handicapées permettent à la MDPH de couvrir ses dépenses complémentaires. Voilà l'essentiel du contenu de ce rapport. Mes chers collègues, on se tient à notre doctrine de pas d'augmentation de la masse salariale. Monsieur Boisdet, je vous avais la parole. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, concernant ce dossier, donc, je dois excuser Laurent Motion qui est en train de se connecter, qui devait faire l'intervention. Donc, effectivement, nous, on vous a déjà dit sur le dossier de création de poste, etc., que ça serait bien d'avoir des délibérations qui sont distinctes, parce qu'autant on peut comprendre que sur la MDPH, il y a des besoins, etc. Nous, il y a un poste qui nous gêne particulièrement dans ce dossier, c'est celui du poste, même si vous considérez que c'est un remplacement. On vous dit depuis le début de ce mandat qu'il y a des économies à faire, justement sur les frais de fonctionnement, notamment à ne pas forcément remplacer tous les postes, et c'est celui de la communication. Donc pour ces raisons, le groupe Le Rassemblement de la Dordogne votera contre ce dossier. Mais on le crée pour remplacer Jean. Oui, monsieur Boisdet, je vous rappelle, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, on s'en tient à notre doctrine de pas d'augmentation de la masse salariale. Et cette affaire-là est tenue. Il y a des passages en catégorie A, ça c'est la loi qui nous l'impose, on ne peut pas faire autrement. Pour ce qui est des créations de postes que l'on a proposées, là, le poste que vous citez, c'est un remplacement, pour la ligne. Hein. Il faut aussi pouvoir travailler dans une collectivité comme la nôtre. Pour ce qui est de la création de postes, on a voulu et on a souhaité prendre la totalité de la délégation de l'aide à la pierre, mes chers collègues, pour une raison très simple, c'est pour être plus efficace auprès des périgourdins. Aujourd'hui, Jacques Ozou d'ailleurs le disait lors de la dernière session, il faut plusieurs mois pour avoir une réponse d'aide à l'ANA. Et quand il s'agit d'une personne âgée qui doit transformer sa salle de bain parce qu'elle n'est plus apte à monter dans la baignoire, il s'écoule des mois et des mois. Et aujourd'hui, si l'on a souhaité prendre cette compétence totale, c'est parce qu'on sera en mesure de réduire ces délais. Et je fais remarquer que sur les 5 postes qui vont travailler sur ce sujet-là, il y en a 3 qui ont été pourvus par redéploiement. Sur la MDPH, mes chers collègues, il m'est totalement insupportable, je dis bien insupportable, que de voir des dossiers déposés par des personnes qui souffrent d'un handicap soient traités 6 mois,
8 mois ou un an après. Je ne peux pas accepter cette situation et je suis allé visiter la MDPH. Je ne mets pas en cause les gens qui y travaillent parce qu'ils travaillent beaucoup dans des conditions qui ne sont pas faciles. Mais là, franchement, il faut que l'on renforce cette équipe-là, là aussi pour répondre à notre mission de service public. On fait ce test sur un an avec 5 postes supplémentaires. On verra pour la suite. Monsieur Becré vous l'a dit, il n'y aura pas d'incidence financière par rapport à notre collectivité. Mes chers collègues, alors, il y a d'autres mains qui se lèvent. Monsieur Bousquet. Bon, le groupe Les Républicains et apparentés également ne votera pas ce dossier. J'ai bien noté les différents arguments de la majorité pour justifier la création de ces postes. Ils sont très certainement fondés, puisque nous avions fait des remarques déjà sur ces services du département. On aurait peut-être pu y penser avant qu'en période de crise comme aujourd'hui. Et deuxièmement, il peut y avoir aussi des redéploiements à partir d'autres services. Donc, on se joint au vote du Rassemblement de la Dordogne et nous ne voterons pas ce dossier. Ça veut dire que vous votez contre ? Oui, vote contre. Ça veut dire que vous votez contre, M. Bousquet ? Oui, ça vous avez bien compris, M. le Président. Non, mais... Très bien. Bon, donc on enregistre les votes contre de la droite. Et après, il n'y en a pas d'autres ? Il n'y a pas d'abstention ? Bien, mes chers collègues, je vous remercie. C'est noté. On va passer au dossier suivant, qui est le 247, si je ne me trompe pas. Voilà, le 247, il s'agit en fait d'un ajustement de fin d'année sur la ligne parrainage qui est réduite de 5 000 €. Voilà, pas de remarques, il est adopté. On peut passer au 248. Alors le 248, c'est un, me semble-t-il, un des rapports les plus importants de cette session, puisque... Il s'agit de revenir sur la décision que vous aviez prise au mois de juin dernier qui consistait à mettre en place un dispositif de soutien aux travailleurs indépendants et aux très petites entreprises mises en situation de difficulté à la suite de la crise du Covid. Donc vous savez que la délibération que vous avez prise donc, a été contestée par le contrôle de légalité puisque Monsieur le Préfet, donc... a saisi en référé le tribunal administratif au mois de le budget supplémentaire voté début juin. Nous avons procédé au mandatement des 500 000 € au profit de l'association Initiative Périgord. Ce qui fait que le tribunal administratif a rejeté le référé de monsieur le préfet, considérant que notre délibération ne pouvait pas être suspendue puisqu'elle avait été exécutée. Donc, ça, c'est un point de forme, mais le contentieux sur le fond perdure, puisque le tribunal administratif sera amené dans quelques mois à réexaminer le dossier au fond. Par ailleurs, le dispositif s'accompagnait d'un conventionnement avec les intercommunalités qui avaient accepté elles-mêmes d'apporter 500 000 € complémentaires, en plus des 500 000 € de fonds propres de l'association. Donc, certaines communautés de communes nous ont fait part récemment du fait que Monsieur le Préfet avait également déféré des délibérations de conseil communautaire au tribunal administratif. Donc, il vous est proposé de prendre acte de cette situation et de revenir sur la délibération du mois de juin et de transformer, en fait, le prêt d'honneur qui était prévu initialement en aide sociale exceptionnelle, puisque je vous rappelle que l'action sociale demeure une compétence du conseil départemental. En ce qui concerne le dispositif qui vous est proposé, qui consisterait en la mise en place donc, d'une aide exceptionnelle forfaitaire de 750 € pour un certain nombre d'indépendants, d'artisans inscrits au registre du commerce ou des métiers, donc la délibération qui vous est proposée est fondée sur des délibérations comparables qui ont été prises par d'autres conseils départementaux tels que la Savoie ou la Haute-Savoie ou le Calvados et dont le contenu a dans son principe été agréé
par le cabinet de Madame Gourault, ministre en charge de la cohésion des territoires. Donc, sur le rapport qui vous est présenté, il y a deux délibérations distinctes. Une première délibération qui vise en fait à annuler, à revenir sur la convention qui avait été passée avec Initiative Périgord, qui accepte de reverser, bien entendu, au département les 500 000 euros qui lui avaient été mandatés au mois de juillet dernier. Et puis, une seconde délibération qui définit dans le détail les conditions d'affectation des 500 000 euros au titre de cette aide sociale exceptionnelle forfaitaire de 750 euros. Bien, vous savez tout. Qui a demandé la parole? Alors, M. Boisdet et M. Bousquet, M. Ouzou. Je vous laisse la parole. Alors, M. Boisdet, le premier. Oui, juste pour compléter, bien sûr, qu'on votera ce dossier. On peut regretter la position de détail du préfet, notamment. Et effectivement, comme l'a dit M. Becquerel, moi, j'ai été prévenu par la sous-préfecture qu'on nous mettait en référé au TA, puisqu'on n'a pas retiré notre délibération. Moi, j'attendais qu'il y ait une position commune des EPCI. Et je vous le dis, pour la petite histoire, quand on nous appelle, quand on appelle nos services, on nous fait croire qu'on est la dernière communauté de communes. Donc, j'ai appelé quelques collègues, en l'occurrence Marie-Rose Vessière, la semaine dernière, qui m'a dit, ils nous ont dit la même chose aussi. Donc, je trouve le processus un petit peu cavalier. En revanche, ceci dit, donc aujourd'hui, le département trouve une parade et peut, heureusement, soutenir ces petits indépendants. Je pense qu'il faudrait peut-être, et là je le dis, Bruno Lamonnerie assiste à la session, il est président de l'Union des maires, à travers les EPCI et peut-être reconventionné avec Périgord Initiative, on pourrait peut-être, puisque nous on avait accepté de donner 2 euros par habitant à travers cette convention. Donc peut-être qu'il faut revoir les choses, et ça serait un complément, parce que je pense que malheureusement nos commerçants et tous nos petits indépendants vont avoir besoin de beaucoup d'aide. Oui, le conventionnement, M. Boisdet, il faudra passer par la région. Puisque ce que conteste le préfet, ce qu'il a contesté pour le département, il conteste exactement la même chose pour les EPCI. Donc il faudra conventionner avec la région et de façon à ce que cette somme puisse être versée à l'initiative Périgord. Comme l'a fait le Grand Périgueux. Alors, Dominique Bousquet, après Jacques Ouzou. Tout à fait. On est... En tout cas, mon groupe et moi-même, on est favorable, bien entendu, à aider tous les gens qui sont les commerçants, les travailleurs non salariés qui sont en difficulté. Et c'est bien dans cet esprit-là qu'au niveau de ma communauté de communes, on avait 3 fonds. Un pour par solidarité avec le fonds régional. On avait aussi voté sur le fonds départemental, mais on l'avait limité. Ça avait été dit ici à 1 euro, car on a un troisième fonds. Il y a un fonds particulier de la communauté de communes où on monte pour entre 0 et 5 salariés jusqu'à 1300 euros. Après, jusqu'à 10, c'est 3000 euros. Et après, on monte jusqu'à 20 encore avec d'autres critères. Donc, on a notre propre fonds. Donc, je ne suis pas du tout opposé à ce fonds d'aide exceptionnelle au TNS de 750 euros. Mais il faut que je vois techniquement comment ça se croise avec notre propre fonds, puisque ce n'est pas les mêmes critères et ce n'est pas les mêmes sommes qui sont susceptibles d'être données. Donc, et voir si ça ne fait pas double effet, puisque nous, d'un côté, on va jusqu'à 1300 euros. Voilà, donc techniquement, il faut qu'on voit si les 30 000 euros qu'on a provisionnés, on les laisse sur notre fonds à nous, de 110 000 euros plus 23, ou si on l'ajoute sur le fonds du département. Voilà, donc on votera pour ce dossier, mais pour ne pas être en porte-à-faux, peut-être que ce fonds, il faut que je vois si on le met sur notre propre fonds, sur le fonds départemental. Mais, Monsieur Bousquet, le fonds du département, le fonds social du département, il n'est pas exclusif des autres aides. Contrairement à ce qu'on disait au début. Au début, on disait, on souhaite créer ce fonds, d'ailleurs, avec les chambres consulaires, c'est pour ça qu'on avait trouvé... La façon de faire avec Initiative Périgord, on pensait attribuer une aide à ceux qui échappaient aux aides de l'État, aux aides de la région.
C'était ça notre but, hein, notre bonne volonté, elle était là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusive. Ceux qui toucheront les 750 euros peuvent avoir touché les aides de l'État, les aides de la région ou les aides d'une communauté de communes, comme vous l'avez fait dans le Terrassonnet. Monsieur Lezou. J'ai bien compris, monsieur le Président, mais il faut que je vois qu'il n'y ait pas des problèmes de distorsion entre les uns et les autres. Certains qui pourraient cumuler, oui. D'autres pas cumuler, puisque les associations de commerçants ne manqueraient pas de me le signaler que certains peuvent cumuler et d'autres non. Donc là aussi, il faut qu'on voit, c'est plus compliqué que ça, sans compter que les codes APE, aussi bien au niveau de l'Europe que dans nos conventions avec la région, puisqu'on a fait la convention avec la région, bien sûr, il y a des codes NAF qui posent aussi un certain problème où certaines professions sont exclues. Donc, c'est dans un but de l'équité, il faut qu'on regarde ça de plus près entre le département. Je vous propose de vous coordonner avec les services de l'économie du département pour régler ça. Alors ensuite, il y avait M. Ozou, M. Lamonnery, Mme Moukou. M. Ozou. Le micro. Oui, M. Ozou. Voilà. Bon, moi je veux d'abord dire le scandale de la position de l'État. C'est à situation exceptionnelle, besoin exceptionnel. On est en train de nous faire pleurer tous les soirs sur les commerçants de l'avenue des Champs-Élysées qui ne peuvent pas avoir d'activité. Nous, dans nos campagnes, on a des petits artisans, des petits commerçants qui ont besoin d'être aidés. On fait appel aux collectivités pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris et on nous interdit de venir au secours des gens de notre territoire qui sont en très, très grande difficulté. Tout à fait. Je veux simplement dire que la position du préfet en Dordogne est scandaleuse. Deuxième chose, Germinal, je n'ai pas compris qui va liquider les 750 euros. C'est nous, les services du département. C'est nous. Les services du département. Les services du département. Donc, ça veut dire que les artisans vont être... Mais en vérité, on... Oui, ça va. Non, mais comment on le décliner après? Dès que vous aurez voté ce rapport, ce soir, sur le site du département, tous les artisans et les indépendants qui considèrent être éligibles au dispositif pourront en ligne déposer un dossier. Le dépôt des dossiers sera ouvert jusqu'au 31 décembre de cette année et nous donnerons également un numéro de téléphone et une adresse mail de manière à ce que les demandeurs puissent avoir tous les renseignements voulus. Et après instruction, donc, le département liquidera lui-même les aides en direct, puisqu'il s'agit d'une aide sociale. Sur les modalités, on s'est inspiré d'autres départements, en particulier celui de la Savoie, qui est d'ailleurs présidé par une personne de Belvès, par André Gourdin, et par celui du Calvados. Voilà. D'accord. Alors, M. Lamonnery, après Mme Boucou. Bruno. Oui, Président, chers collègues, bonjour tout le monde. Vous dire aussi que, pour ma part, au niveau de ma communauté de communes, j'ai toujours la délibération qu'on avait prise, elle tient toujours, donc je n'ai toujours pas enlevé. Donc Thierry Boisdet n'était pas le dernier, ni Marie-Rose Bessière. Nous avons demain un conseil d'administration au niveau de l'Union des maires et on va regarder la possibilité de coordonner au niveau des, ou du moins de proposer un fonds qui était au départ, qui était fait pour compléter ce fonds départemental de la part des EPCI. Là, maintenant, nous ne pouvons que passer par la région. Ce qui m'embête un peu au niveau de la région, c'est que nous ne sommes plus du tout maîtres après au niveau de l'attribution des aides. Du moins, c'était comme ça dans la convention que bon nombre de communautés de communes ont passé. Donc, la situation est gravissime. Et je me joins aussi à Jacques Ozou pour protester contre cette attitude qui n'est pas responsable et qui, dans des circonstances exceptionnelles, aurait dû être adaptée. Voilà. Merci, merci. Madame Boucou.
Oui, Président. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste vous faire part au niveau de la communication. Parlez assez fort, madame Boucou. Pardon. Alors, je vais peut-être... Pardon. Oui, je voulais juste vous faire part, nous, d'une idée que nous allons soumettre au prochain ordre du jour du Conseil municipal d'Agonac, c'est de participer financièrement à l'achat de chèques cadeaux à utiliser uniquement dans les commerces d'Agonac, à la fois pour nos agents municipaux et pour nos administrés. L'idée étant de travailler avec l'association des commerçants de la commune et de pouvoir injecter directement entre 15 000 et 20 000 euros dans les commerces de la commune, puisque la plupart de nos petits artisans et commerçants échappent aux dispositifs qui sont mis en place actuellement et subissent eux aussi des pertes importantes pour les fermetures administratives. Donc, l'idée étant de créer de la solidarité, mais sur du long terme, pas juste faire un effet d'annonce dans cette période de crise, mais bien retravailler sur la dynamique des commerces et des services de proximité dans la commune. Et puis aussi impliquer les personnes qui aujourd'hui peuvent s'émouvoir des fermetures des petits commerces, mais que l'on ne voit souvent jamais consommer localement. Donc voilà, on essaye de créer... un peu plus de liens et de remettre une dynamique et de la solidarité entre commerçants et consommateurs. Parfait, très bien. Monsieur Delage a demandé la parole. Oui, oui, Président, bonjour à tous. Je crois que là, nous sommes, et ça a été constaté par chacun des intervenants, face à ce que l'on peut appeler le mal français, c'est-à-dire qu'on est face à un État central qui appelle à la mobilisation de tous, et en particulier des collectivités locales, et qui, en même temps, par les contraintes administratives qu'ils nous imposent, nous empêchent à toute réponse immédiate. Donc, et c'est la même chose sur bien des plans de notre activité, en particulier l'urbanisme. Quand on est incapable de traiter, dans le cadre de l'ANA, les demandes pour aménager des logements qui ne sont pas conformes au bien-être des propriétaires et des occupants, c'est la même chose. Et c'est la même chose sur tout un tas de pans de l'activité. Donc, voilà. Je souscris à vos propos, M. Delage. Je vous propose maintenant de passer au vote. Non. S'il vous plaît. Oui. Oui. Madame Marty. Oui, je suis sur la tablette de Dominique. Mais oui, c'est pour ça. Bonjour à tous et à toutes. Certes, au-delà de ce que nous allons tous, aussi bien au sein du département qu'au sein de la commune, des communes, mettre en place pour essayer de sauver les petits commerces, moi je suis assez scandalisée par ce qui se passe, parce qu'on est en train de faire croire à une population entière que nous sommes en pleine crise sanitaire, certes, mais nous sommes en train de sacrifier une partie de notre économie parce que nous vivons surtout une crise hospitalière. C'est surtout ça le grand problème. On est en train de gagner du temps parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'a pas été capable de prévoir bien en amont et d'avoir suffisamment de lits pour pouvoir accueillir les malades. Et ça, vraiment, je pense que le noyau du scandale, il est là. Et donc, j'appelle à nos différents parlementaires, il faut absolument qu'ils aillent, qu'ils se battent pour nous laisser, nous, la main, notamment les maires, parce qu'on est tout à fait apte à savoir, à autoriser nos commerces et nos petits commerces à ouvrir, parce que dans nos petits commerces, il y a beaucoup moins de risques que dans les grandes surfaces. Quand vous rentrez un à un dans une boulangerie, vous n'allez pas... contracter le virus, vous poussez un caddie parmi 300 personnes dans une grande surface. Et le problème, il est là. Il est que nous vivons une crise hospitalière. Et certes, il y a la crise sanitaire, mais il y a surtout cette crise hospitalière. Et il faut absolument que nos parlementaires montent au créneau là-dessus. Merci, Madame Marty. Mes chers collègues, je soumets au vote le 248A et le 248B. C'est-à-dire l'annulation de ce qu'on avait donné à Périgord Initiative et la mise en place de notre dispositif. Pas d'opposition.
Non, il est voté à l'unanimité. Je vous remercie. On peut passer au 249, Monsieur Becquerel. Le 249, donc il s'agit d'une ligne de fonctionnement qui concerne donc le service des affaires européennes. En réalité, il y a eu moins de projets de déplacement au titre de la mobilité des jeunes. Et donc, il vous est proposé de réduire le crédit de 9 000 euros. Pas d'opposition, il est adopté. Le 250. Le 250, il s'agit en fait de confirmer l'inscription de crédits nécessaires pour contribuer au dispositif qui a été mis en place cet été par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour encourager les Aquitains à prendre des vacances au sein de la région. Donc vous aviez décidé donc, du principe hein, de cette participation. Et donc, nous avons des éléments de bilan donc, qui montrent que, en fait, presque 1600 familles ont pu bénéficier donc, de ce chèque vacances pour un montant de 454 560 euros, alors qu'il vous est proposé de contribuer à hauteur de 124 000. Donc, il y a eu un véritable effet de levier qui a été très positif pour l'économie touristique du département cet été. Parfait. Pas d'opposition, chers collègues, il est adopté. On passe au 251. Donc le rapport 251, c'est en fait le budget général de la direction de la solidarité. Je vous rappelle que le budget de la solidarité, vous l'aviez abondé de façon très significative lors du budget supplémentaire, puisque vous aviez inscrit à peu près 6 millions d'euros de plus par rapport au BP. Cet effort significatif donc, permet globalement de ne pas inscrire de crédit nouveau à cette décision modificative numéro 2. Il s'agit essentiellement de mouvements internes entre les différentes lignes du budget géré par Sophie Lotte. Il faut mentionner quand même en recette des apports de recettes importants provenant notamment du conventionnement avec l'État à la fois au titre de l'aide sociale à l'enfance et du plan de lutte contre la pauvreté pour lequel l'État va nous soutenir pendant 3 ans à hauteur de 1 400 000 euros. Vous avez été destinataire hier donc, d'une proposition d'amendement qui ne modifie pas l'équilibre global du budget mais qui a pour objet d'ajuster les inscriptions de crédit de manière à prendre en compte le montant réel de la dernière facture de décembre de la CAF au titre du RSA. Cette dernière facture, elle confirme l'augmentation très importante de la dépense. Le président a rappelé tout à l'heure en introduction que le volume des dépenses de RSA aura augmenté de plus de 9%. Par rapport au mois de janvier, aux mensualités qu'on connaissait au mois de janvier. Et donc, il nous est nécessaire, pour boucler l'année, de faire un petit mouvement budgétaire qui permette d'abonder la ligne RSA de 199 902 euros par rapport à ce qui était prévu dans le projet de DM2. Donc, les nouveaux chiffres apparaissent en rouge dans le projet de délibération qui vous est projeté. Parfait. Pas d'opposition, mes chers collègues. Donc, cette délibération est adoptée et on peut passer à la 252, c'est le plan précarité pauvreté. Donc là, il s'agit, dans le cadre de la contractualisation que je viens d'évoquer avec l'État, de mettre en place un certain nombre d'actions visant à lutter contre la pauvreté. En l'occurrence, là, il s'agit d'accompagner les mineurs dont nous avons la charge. Je vous rappelle que le gouvernement souhaite, mais nous le faisions déjà, nous allons simplement renforcer un peu cette politique, souhaite que les départements continuent à accompagner les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance au-delà de leur majorité. Hein, c'est la procédure que l'on désigne sous le terme de contrat jeune majeur. Donc certains départements, en fait, sont très frileux et ont plutôt une attitude qui consiste, lorsque ces jeunes atteignent la majorité, à les délaisser, ce qui n'est pas le cas ici en Dordogne. Nous renforçons les politiques que nous menons en la matière en contractualisant avec l'ADEPAP, l'association d'entraide des
personnes accueillies en protection de l'enfance. Pas d'opposition. Il est adopté le 253, le RSA. Le 253, il s'agit en fait d'ajustement de crédit lié à l'affectation des sommes que nous recevons du Fonds social européen dans le cadre de l'insertion des personnes en situation de précarité. Pas d'opposition. Il est adopté 254. Le 254, il s'agit d'un ajustement de 5 000 euros au titre des remises gracieuses sur les lignes du pôle aide sociale à l'enfance de la direction de la solidarité. À l'opposition, il est adopté 255. Sur les trois dossiers qui suivent, en fait, 255, 256, 257, il s'agit d'ajustements de dépenses et de recettes de fin d'année pour exécuter dans des conditions normales les budgets du village de l'enfance pour le rapport 255, du centre d'action médico-sociale précoce pour le rapport 256 et du centre départemental de santé et de son antenne d'Excideuil pour le rapport 257. Mes chers collègues, y a-t-il des oppositions sur le 255, 256, 257 ? Je n'en vois pas. Ils sont adoptés. On peut passer au 258. Le 258, il s'agit, alors là vous avez quelques rapports où il y a des réductions de crédit puisque voilà, la crise du Covid a contribué donc à réduire l'activité d'un certain nombre de partenaires. C'est le cas notamment en termes d'animation de la gestion des milieux aquatiques et donc il est proposé de réduire le crédit en conséquence de 21 800 euros. Très bien, pas d'opposition, il est adopté 259. C'est la même chose pour le service de la vie associative, donc il s'agit essentiellement de diminution de crédit hein, pour un volume important, je crois que c'est à peu près 600 000 euros, c'est lié à la diminution du nombre de demandes. Et il vous est proposé également de voter une subvention particulière à la Fédération de chasse à hauteur de 15 000 euros pour financer une étude d'évaluation. J'ai tapé sur la main, il me met impossible de déclencher la main. Donc, une subvention de 15 000 euros pour la Fédération de chasse pour étudier donc, la propagation du sanglier et du chevreuil, du gros gibier. C'était pour le 257, je suis désolée. Je ne voyais pas mes erreurs de. Je ne pouvais pas prendre la main. Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. On continue alors. On n'a pas demandé à parole. D'accord. Alors, on reprend le 260 avec sur le laboratoire départemental d'analyse. Donc, en ce qui concerne le laboratoire d'analyse, ce sont des ajustements de crédit, mais qui sont là en volume relativement important, puisqu'il s'agit de prendre en compte, vous voyez, en recette, on est au total entre l'investissement et le fonctionnement à plus de 11 millions d'euros. Il s'agit en fait des mouvements budgétaires qui sont liés au remboursement de l'assurance après l'incendie que le laboratoire a connu. Et donc, en dépenses, nous affectons donc ces recettes aux dépenses qui sont nécessaires à la fois pour préparer le chantier de reconstruction et extension du laboratoire qui devrait démarrer en début d'année 2021 pour une durée de 2 ans. Et puis, en fonctionnement, il y a un certain nombre de renforcements de crédits pour faire face à l'activité extrêmement importante que connaît le laboratoire depuis le début de l'année, son activité habituelle et puis l'activité saisonnière qui est liée aux analyses Covid qui sont réalisées par le département, puisque je rappelle qu'à lui seul, le laboratoire départemental réalise 70% des analyses Covid de la Dordogne. Mes chers collègues, pas d'opposition, le 260 est adopté, on passe aux questions de non-valeur au 261. Bon, c'est le rapport annuel habituel des quelques analyses que nous n'avons pu recouvrer. Et donc, cette liste a été établie en lien avec M. le payeur départemental, sachant que les procédures se poursuivent pour
obtenir, autant que faire se peut, l'encaissement effectif des sommes dues par les clients. Si vous regardez dans le détail, vous verrez que les sommes sont minimes pour la plupart du temps. Pas d'opposition, 261 est adopté, le 262. Le 262, il s'agit donc d'ajuster les crédits qui nous sont nécessaires pour clôturer la gestion 2020 au titre des OPAH et des programmes d'intérêt général en matière d'animation des politiques de l'habitat. Parfait, pas d'opposition est adopté, le 263. Le 263, ce sont les ajustements de fin d'année sur le budget du parc départemental, qui est, je le rappelle, à la fois le loueur du département, puisque c'est lui qui gère notre parc de véhicules et qui intervient également en travaux pour le compte de la direction des routes, pour le fauchage, le marquage, lorsque nous refaisons le marquage au sol des routes départementales. Parfait. Pas d'opposition, il est adopté. Le 264. Le 264, ce sont les ajustements de fin d'année en fonctionnement donc, du budget de la culture, de l'éducation et du sport. Très bien, pas d'opposition, 265. 265, il s'agit d'attribuer donc, au conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne une subvention complémentaire de fonctionnement de 30 000 euros. Parfait, pas d'opposition. Il est adopté le 266. Le 266, donc vous aviez voté le principe lors du budget supplémentaire d'accompagner les exploitants de salles de cinéma implantées dans le département qui ont beaucoup souffert avec la crise du Covid. Donc il s'agit là de voter les crédits et de procéder donc à l'arrêt du projet. Une programmation ARS au cinéma privé est également bénéficiaire de cette aide. Pas d'opposition, chers collègues, il est adopté le 267. S'il vous plaît, monsieur le président. Oui, je vous en prie. Oui, je tenais simplement à vous remercier pour le cinéma La Fabrique. Merci. Merci, madame Marty. Merci à vous. Alors, 266 est adopté, le 267. Le 267, ce sont des ajustements de fin d'année sur les différentes lignes qui ont trait à nos différentes politiques en matière d'éducation. Parfait, pas d'opposition est adoptée. 268. Le 268, il s'agit de l'inscription d'un crédit de paiement complémentaire à destination des collèges privés, puisque je vous rappelle que vous devez aligner donc, la contribution au fonctionnement des collèges privés au regard du montant moyen des aides que nous donnons aux collèges publics. Parfait. 268 est adopté. Le 269. Le 269, il s'agit d'inscrire les 65 000 euros sur lesquels vous avez déjà pris un engagement pour permettre donc, le fonctionnement de la première année d'études en médecine sur le site de la Grenadière à Périgueux, de manière à contribuer, là aussi, autant que faire se peut, à lutter contre la désertification médicale. Très bien, pas d'opposition, il est adopté. Mes chers collègues, je vous donne une information en matière d'enseignement supérieur. La semaine dernière, avec Cécile Jallet, nous avons passé un oral devant un jury d'universitaires des quatre coins de France parce qu'on a déposé un dossier de campus connecté. De quoi il s'agit ? Il s'agit de permettre à des jeunes de Dordogne, qui seraient d'abord 15, puis 30, puis 45, de suivre des études supérieures à partir du campus de la Grenadière. Ces jeunes seraient accompagnés par un tuteur de l'université de Bordeaux. Ils ne seraient pas tout seuls dans la nature, et ils devraient venir au campus de la Grenadière pour suivre des cours à distance. Notre candidature a été retenue et validée sur dossier, et nous avions pendant une heure et demie les modalités à expliquer à ce jury. Si on est retenu, je dis bien si on est retenu, ça permettrait d'élargir l'offre universitaire pour notre département. J'espère qu'on le saura. On passe maintenant au 270.
Donc, 270, il s'agit d'inscrire sur le budget de la direction des sports les crédits qui sont mobilisés au titre de la conférence des financeurs. Alors, en l'occurrence, je rappelle que au titre de la politique de la prévention du vieillissement, nous recevons chaque année de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, une enveloppe de crédit destinée à développer des actions de prévention. Donc ces 60 006 € permettront de financer les actions mises en œuvre par le service des sports en direction des seniors. Très bien, pas d'opposition, il est adopté. On termine le fonctionnement avec le 271. Le 271, il s'agit des ajustements mineurs de fin d'année sur le budget de la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord. Pas d'opposition. Mes chers collègues, il est adopté. Nous avons terminé les dossiers de fonctionnement et je vais maintenant commencer les dossiers qui concernent l'investissement. Sans perdre de temps, on commence par la direction des systèmes d'information et du numérique. C'est le dossier 219. Alors, le dossier 219 donc, vise à augmenter les crédits qui sont affectés donc, à notre direction des systèmes d'information et du numérique, essentiellement pour accompagner d'une part le télétravail au sein des services départementaux et donc acquérir du matériel complémentaire. Et il est également proposé d'abonder les crédits liés au développement du numérique dans les collèges pour à peu près 100 000 €. Parfait, pas de problème. Ah, quelqu'un a demandé la parole. Monsieur Boisdet. Alors, je m'excuse auprès de l'Assemblée, mais ça n'a rien à voir avec ce dossier. Mais comme vous finissiez le fonctionnement et que tout à l'heure, notre collègue Christelle de Founet a essayé de se connecter et qu'elle était malheureusement inaudible et que Adib Benfedoul devait intervenir aussi sur le dossier et qu'il est pris par son travail, je veux revenir. Bon, on a voté le dossier, on n'avait pas l'intention de ne pas le voter, sur le centre de santé et notamment la fréquentation, puisque quand on a... Le département a décidé, nous avions voté avec vous la création de ce centre de santé avec Sideuil. Peut-être qu'on est parti sur un modèle qui ressemblait à celui de la ville de Bergerac. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, une ville d'un milieu rural comme Sideuil et que la ville de Bergerac. Et on se demandait s'il ne serait pas bon de demander à ces médecins de pouvoir tourner, de pouvoir essayer d'aménager des locaux dans les communes voisines pour qu'ils puissent faire des consultations et avoir un peu plus de consultations. Voilà, c'était la remarque que nous voulions faire. Monsieur Boisdet, merci de cette remarque. Vous avez vu que le nombre de patients, si je ne me trompe pas, tourne autour de 470. C'est très peu. Oui, mais c'est très peu, mais sachez qu'il n'y a qu'un médecin à temps plein et deux médecins qui sont à temps partiel, même à temps très partiel. Ça correspond à la demande d'un bassin de vie. Mais cette question, on va la voir, vous allez voir dans les prochains mois, elle va se reposer à nous, parce que je suis saisi de demandes aux quatre coins du département, et souvent pour un poste. Et c'est vraiment... il va falloir que l'on remette à plat hein, notre et que l'on voit comment on peut le mieux répondre. Parce que la désertification médicale, malheureusement, elle se poursuit. Et j'ai au moins une dizaine de demandes en ce moment de gens qui me disent « Mais il faut proposer un poste salarié. Et on veut adhérer au centre départemental de santé parce qu'on se dit que si on ne propose pas un poste de salarié, ben on a moins de chances d'attirer un médecin. Donc, il va falloir que l'on se repose la question. C'est évident que le modèle d'une ville de plus de 20 000 habitants n'est pas le même de celle d'une ville qui a un millier d'habitants. Mais la question du monde rural, elle va se poser à nous tous comme elle se pose aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord pour que l'on puisse avoir un temps de débat sur cette question. Mais aujourd'hui, sachez que ce modèle-là, il n'est peut-être pas parfait, mais il est demandé, y compris par vous, mes chers collègues. Parce qu'il y a plein de collègues qui sont là, connectés, et qui me disent, mais nous, il nous faudrait, je ne veux pas dire les endroits, hein, mais il y en a aux quatre coins du département. On n'arrive pas à remplacer, et nous, on voudrait
adhérer au centre départemental de santé. Donc, il va falloir qu'on remette ça sur la table. Alors, je vois que M. Bousquet a demandé la parole. Le micro, Dominique. Oui, oui, excusez-moi. Concernant les problèmes de désertification médicale, alors je crois qu'il faut rester modeste et on n'a personne, pas plus moi que les autres, on a des vérités totales. Donc attention. Par contre, il n'y a pas une mesure, il y a X mesures qui peuvent permettre d'essayer de trouver des solutions. Dans la communauté de communes du Terrassonnet, on a un peu tous les systèmes. On a des maisons de santé pluridisciplinaires. Bon, j'espère qu'en 2021, on a deux médecins qui doivent arriver, mais ça fait des années, en fait, depuis que je préside cette communauté de communes. Avant moi, il n'y avait déjà plus de médecins. Il n'y a plus de dentistes aujourd'hui qui sont partis. Il y a une concurrence folle entre toutes les professionnels de santé qui demandent aujourd'hui bien, est-ce qu'on est bien en zone blanche, est-ce qu'on aura droit à l'aide, est-ce que vous me prenez une secrétaire, etc., etc. Je ne vais pas le développer, mais c'est très compliqué. Et la maison de santé pluridisciplinaire, aujourd'hui, connaît ses difficultés, bien qu'on l'aide et qu'on fait tout pour qu'elle perdure. Après, il y a des cabinets médicaux des communes, où là, je remercie le département qui, contrairement à l'État, à continuer à nous aider à les monter. Exemple Fosmagne, où là, par contre, ça a très bien marché. On a réussi à amener un médecin qui était interne dans une grande ville qui donne entière satisfaction et ça fonctionne. Après, je vais laisser la parole à mon binôme, là, toujours sur la même tablette, Francine Bourrat, qui se démène comme elle peut. Elle va vous l'expliquer dans un centre communal de santé dont la vérité est très, très loin de ce qui a été revendu. Elle va vous expliquer le déficit. Alors, c'est spécial, puisqu'elle elle a à la fois des médecins salariés, des professionnels de santé salariés et des libéraux. Et c'est, elle va vous expliquer que c'est certes un outil, mais qui est fait, elle va vous le dire, pour des communes très riches. Alors, l'Ardin est riche, mais il y a des limites. Elle prend la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, donc, j'ai hérité donc, de ce centre municipal de santé donc, lorsque j'ai été élue. J'attire votre attention sur le fait du salariat des médecins et des dentistes, puisque moi, j'ai trois médecins pour faire deux équivalents temps plein, et j'ai une dentiste qui est à 28 heures. C'est très compliqué aujourd'hui. Je pense même que c'est incompatible d'être médecin et salarié. Je viens d'avoir un gros problème sur la réalisation des gardes ce week-end, où là, je me suis battue avec l'aide donc, de M. le préfet, avec l'ARS, avec les médecins libéraux du coin. C'est très, très compliqué, le salariat, dans ces métiers-là. Voilà, moi, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ce sont des gens qui sont payés pour faire 35 heures, hein, ce sont des salariés, voilà, à qui on ne peut pas demander de faire des heures supplémentaires, ou alors, évidemment, il faut payer en conséquence. Et c'est très compliqué quand un enfant malade ou une personne handicapée, et où on ne peut pas, à ce moment-là, faire le service qui est normalement celui, à mon sens, d'un professionnel de santé. Et je ne sais pas, dans ces cas-là, où s'arrête la déontologie. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai de gros problèmes qui sont déficitaires et de beaucoup. Voilà. Et on m'annonce, là, on est en train de regarder les budgets pour 2021. Et je peux vous dire que le déficit va encore s'accroître. Donc, faites très attention. Il faut être très riche aujourd'hui pour avoir un centre municipal de santé. Voilà, et on me dit souvent au Lardin, et je réponds aujourd'hui, oui, mais pas pour longtemps. Voilà. Et je voulais attirer votre attention sur cette difficulté, et c'est très, très complexe aujourd'hui, mais par contre, effectivement, face à la désertification médicale, que faut-il faire? Certainement pas des centres municipaux de santé. Merci. Jean-Paul Lottery a demandé la parole, ensuite Christian Théillac et Thierry Sipierre. Donc, c'est Jean-Paul Lottery. Oui, en matière de démographie médicale, évidemment, Dominique Bousquet a raison, il n'y a pas de recette. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas négatif. Si on n'a pas de maison de santé, on sait que nous n'aurons pas de professionnels de santé.
c'est de plus en plus évident. La maison de santé, la médecine de groupe, c'est absolument nécessaire. Il nous faut trouver des solutions. La deuxième remarque, c'est vrai que les attentes des professionnels de santé, notamment médicaux, a changé ces dix dernières années. Et que de plus en plus de médecins, j'étais même sceptique à titre personnel à un moment donné, sont prêts à accéder aux salariés. Moi, je pense qu'il n'est pas totalement impossible de faire coexister au sein d'une maison de santé des libéraux et des médecins qui pourraient être salariés. Ça me semble tout à fait possible. À l'hôpital, le statut des médecins qui sont salariés n'est pas un statut à 35 heures, c'est des statuts de vacation, des statuts de garde, c'est des statuts mixtes qui permettent le salariat, tout en gardant la souplesse et les limites. Je pense qu'il ne faut écarter aucune solution. Je pense que le département a bien fait de s'engager dans un centre département de santé, mais il ne faut peut-être pas l'assimiler à une implantation géographique. Il faudrait l'assimiler à des modalités de fonctionnement, plus exactement, ce centre départemental de santé, que le département puisse recruter des salariés qui peuvent intervenir à n'importe quel point du département dans le cadre de ce dispositif de santé. Moi, je crois qu'il ne faut négliger aucune piste compte tenu de l'évolution de ces corps professionnels. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que si on n'évolue pas, s'il n'y a pas de proposition, notamment de centres de santé ou de peu importe la formule, mais des formules de regroupement de médecins qui ont besoin de travailler ensemble, c'est absolument nécessaire. Voilà. Au plan financier, pour nous, s'équilibre très, très avec les loyers, nous équilibrons totalement nos charges. C'est même légèrement excédentaire. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. Dominique a raison. Rien n'est garanti. Ce n'est pas parce qu'on a une maison de santé qu'on aura forcément des médecins, c'est sûr. Si on n'a pas de maison de santé, nous n'aurons pas de médecins. Merci. Merci, Jean-Paul. On passe à Christian Théac. Après Thierry. Oui, bonjour. Bonjour président, bonjour à tous. Alors voilà, moi je voudrais parler. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Dans le cadre des contrats locaux de santé, dont fait partie la communauté de communes Vallée de l'Homme, où je suis vice-président en charge des affaires de santé, on a évoqué la problématique de la délégation de compétences aux infirmières. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, pour des pathologies chroniques, genre hypertension artérielle, diabète, etc., il y a des formations spécifiques pour des infirmières qui sont volontaires, et qui permettrait en fait de rencontrer les patients une fois sur deux, c'est-à-dire une fois sur deux le patient rencontrerait le médecin et une fois sur deux l'infirmière, qui ferait une batterie d'examens et qui donnerait son feu vert, et l'ARS serait d'accord pour qu'on fasse une expérimentation, qui donnerait son feu vert donc pour le renouvellement d'ordonnance pour 3 mois de plus, par exemple. Donc ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui soulagerait les praticiens et qui permettrait, pour le moment au moins, de régler cette problématique de sous-effectif médical. Mais le problème, c'est que ces infirmières, pour l'instant, elles ne peuvent pas être comme des infirmières libérales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation d'actes particuliers, et ça pose problème, parce que qui peut prendre en charge le coût de ces infirmières, qui sont pleines de bonne volonté, mais il faut quand même qu'elles soient rémunérées, bien évidemment. Moi, je me disais, pourquoi pas proposer que le conseil au département, dans la mesure où en plus on a des locaux, on a des CMS, on a des choses possibles à proposer, soit le relais et puisse recruter ces infirmières. Parce que quand on est en train d'évaluer, nous, l'offre de soins sur le canton, on se rend compte que les médecins, nombreux, quand on parle de ces délégations de compétences, seraient intéressés par ça. Voilà, l'ARS serait intéressé, donc beaucoup de gens seraient tout à fait favorables à ça, mais maintenant, il faudrait le mettre en pratique. Mais Christian, ces infirmières, elles sont infirmières libérales? Alors, c'est ça qui est à définir. Ce sont des infirmières libérales qui ont fait une formation spécifique, qui est assez longue d'ailleurs, et c'est une formation qui leur permet de bien maîtriser la diabétologie, de bien maîtriser toutes les problématiques cardiovasculaires, l'hypertension, les choses comme ça. Et je peux vous garantir qu'elles sont vraiment très, très, très performantes.
Voilà. Mais quel rôle pourrait jouer le département là, dans cette affaire? Je ne comprends pas. Alors, moi, je me dis, est-ce que le département ne pourrait pas proposer de salarier ces infirmières? Parce que, contrairement à ce que dit Francine, moi, je pense qu'on peut être praticien tout en étant salarié. Et tous les médecins hospitaliers sont des médecins salariés. Et à aucun moment, on va remettre en cause quoi que ce soit. Je veux dire, on peut être médecin et médecin salarié. Moi, pour moi, c'est tout à fait compatible. Et moi, qui ai passé toute ma vie à être médecin salarié, je n'ai jamais eu de problématique et j'ai toujours fait mon boulot. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on pourrait avoir des infirmières salariées. Il faudrait voir comment ça pourrait se mettre en place. Il faudrait voir ça avec l'Ordre des infirmières. Il faudrait voir ça avec l'ARS, qui pourrait même certainement subventionner, parce que quand on avait fait une réunion avec la responsable de l'ARS, elle était tout à fait favorable. Et pourquoi pas, quoi. Et après, le médecin traitant choisirait la possibilité pour son patient, oui ou non, la fois d'après, il peut aller consulter l'infirmière, et la fois suivante, reviendra voir le médecin. Voilà. Sachant que s'il y a le moindre problème, l'infirmière renvoie aussitôt le patient au médecin, etc. Ça se fait dans plusieurs domaines. Dans la médecine du travail, maintenant, on a plein d'infirmières. Les anesthésistes, il y a plein d'infirmières. De plus en plus, on fait ce qu'on appelle des délégations de compétences au personnel infirmier. Et merci. C'est une excellente chose. Merci, M. Théillac, de ces informations. On reparlera de ça. J'ai Thierry Sipierre qui a demandé la parole. Christelle Fouli. Christelle de Fouli et puis Dominique Bousquet, Henri Delage, si je ne me trompe pas. Alors Thierry Sipierre. Merci Monsieur le Président, bonjour, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais dire ma joie et le fait de. Je suis très heureux de constater que tout le monde se met d'accord pour reconnaître le travail énorme qui a été fait par les médecins libéraux, dits les médecins de campagne qui ont parcouru la campagne au service de la santé publique, qui ne négligeaient pas leur temps et leur heure au détriment parfois de leur famille et de leur santé. Donc, c'est sûr que c'est très difficile de les remplacer. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est justement cette faille du système libéral. Or, on est bien obligé, compte tenu de la démographie médicale en Dordogne, d'essayer de trouver des solutions. Et le salariat en est une, mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter dans certaines villes du coût. Hein. Quand je vois que, par exemple, avec Sideuil, il y a 10 patients au jour, on se rend bien compte que la moyenne, c'est 40 patients pour les médecins pour que ce soit à peu près rentable. Donc, c'est vrai que cela va avoir un coût. Alors, par contre, il y a des solutions. Hein. En particulier, je voudrais dire que nous, les pharmaciens libéraux, on a beaucoup travaillé, mais il y a aussi des pharmaciens salariés, et on a un maillage territorial très important, c'est-à-dire que dans la plupart des villages de France, il y a une pharmacie hein, qui est pour 2000 habitants, si mes souvenirs sont bons, en fonction qu'on soit en rural ou en urbain. En ces moments d'urgence, les pharmaciens ont renouvelé les ordonnances, en particulier pour les patients chroniques, sans prescription médicale. On a fait aussi des prescriptions pour les toxicomanes, sans prescription médicale. Donc, on est apte à faire ce travail-là. Et je voudrais dire qu'il y a la téléconsultation. Beaucoup de pharmaciens, en particulier en rural, moi, par exemple, à Coulounier-Chamier, j'ai 7 médecins autour de moi. Pour le moment, je n'en vois pas l'intérêt. Mais dans des communes où le médecin n'est pas loin, on peut faire de la télémédecine, c'est-à-dire la borne installée soit dans une pharmacie, soit avec des infirmières, comme le disait Christian tout à l'heure, et faire de la téléconsultation. Évidemment, ça ne remplacera jamais le contact, mais à l'heure actuelle, compte tenu de la pénurie du médecin, on est bien obligé de trouver des solutions. Et c'est un panel de solutions. Il ne s'agit pas d'opposer le libéral et le privé, mais travailler ensemble à trouver des solutions et trouver des solutions modernes aussi, avec la téléconsultation. Voilà. J'annonce aussi que Bruno ne me démentira pas, que les kinés peuvent prescrire certaines choses, les infirmières peuvent prescrire, les pharmaciens peuvent avoir ce rôle de contact sanitaire et de conseil et donc d'orientation après, mais avec la téléconsultation, déjà pouvoir donner une réponse sanitaire. Donc, on est obligé de s'adapter et toutes les choses sont bonnes, mais c'est sûr qu'il va falloir faire attention aux dérives de coûts. Voilà. Merci, M. Sipierre. Christelle de Fouli. Oui, bonjour, M. le Président, chers collègues. Vous m'entendez là, c'est bon? Parce que j'ai des soucis de connexion.
Oui, c'est bon. Donc, en fait, effectivement, ces centres sont très bien, mais bon, ça fait un petit peu peur quand on entend ce qu'a dit Francine. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire des contrats peut-être un peu plus béton en mentionnant le nombre de patients en jour ouvré, lissé sur l'année éventuellement? Parce que c'est vrai que quand c'est un début, comme là, c'est le cas pour Exideuil, on n'a que 207, enfin, c'est annoncé 424 patients, mais en fait, il n'y en a que 207. Donc, c'est vrai que ça fait 10 patients en jour, ce n'est pas énorme. Donc, voir pour éviter que justement ce groupe provincial arrive sur ce centre-là. Voilà, puis peut-être faire déplacer. Il y a peut-être tout le monde ne peut pas se déplacer non plus. Est-ce qu'éventuellement sur d'autres sites ou pour essayer d'optimiser au mieux ces médecins qui malheureusement sont très très pauvres chez nous en quantité, malheureusement. Voilà, c'était justement ma remarque. Merci Christelle. Alors, j'ai à nouveau Dominique Bousquet, Henri Delage et Sylvie Chevalier. Oui, merci. Alors, c'est vrai que c'est un peu redondant ce qu'on dit les uns et les autres, mais c'est vraiment un dossier fondamental et qui dépasse largement les clivages de cette Assemblée, voire nationaux. On est avec, dans le même contrat local de santé avec Christian Teillac. Donc, c'est un débat que l'on a eu dans un des derniers comités de pilotage du contrat local de santé. Mettre à contribution des infirmières, elles sont de plus en plus compétentes, ça ne pose pas de problème si c'est sous la surveillance d'un médecin, voire en télémédecine. Mais tout ceci n'est pas encore cadré, car même s'il y a un traitement... la santé peut changer brutalement sous quelques heures ou quelques jours, donc il n'est pas possible à une infirmière, sans qu'un médecin l'ait revue, de continuer un traitement. Donc c'est assez compliqué au niveau juridique, à tel point que la codification des actes en télémédecine, elle n'est encore pas totalement réglée, et ce qui bloque les remboursements de la télémédecine. Donc, tout ça se mêle avec les lobbies de chaque profession qui, de façon souvent fondée, attire notre attention sur les risques. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci. Oui, à des expériences, mais il faut faire attention. Une infirmière ne peut pas prendre la responsabilité d'un médecin, même si elle peut mettre en œuvre le diagnostic et le traitement impliqué par le médecin dans des cas anodins. Quand vous pensez qu'un podologue n'a même pas le droit de faire saigner un pied, hein, sinon c'est un médecin. Le podologue peut tailler les ongles, soigner les pieds, mais dès qu'on touche au niveau et qu'il y a la moindre goutte de sang, il peut être mis en justice à ce niveau-là. Donc tout ça est très compliqué. Et concernant... les maisons communales de santé, je crois que Francine Bourra va rajouter 2-3 mots sur ma tablette. Voilà. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Lautry. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord, je n'ai jamais dit le contraire. La cohabitation des libéraux et des salariés fonctionne très bien et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut attirer effectivement dans des maisons médicales ou dans des centres de santé des praticiens parce qu'ils ne veulent plus être seuls. Ils veulent mutualiser le secrétariat, tout ce qui va. Et ça fonctionne très bien. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Christian Teillac, sur. Il ne faut pas comparer, je pense, la fonction que tu as pu avoir donc, en tant que médecin du travail et les médecins salariés dans des centres municipaux de santé. Il faut savoir que le maire a un lien de subordination avec ses médecins et il est très compliqué puisque à chaque fois on nous met en face la déontologie et on ne peut rien imposer, rien demander parce qu'effectivement on va vous rétorquer que vous n'y connaissez pas grand chose en médecine. Aujourd'hui, le président des centres nationaux de santé préconise 3,2 visites par heure. Et aussi bien avec Sudeuil et Collardin, on est bien que c'est 3,2 visites par heure. Donc, économiquement, c'est ça que je veux bien dire. Vous comprenez bien
qu'aujourd'hui, c'est très difficile et qu'un maire ne peut rien imposer. Moi, aujourd'hui, je vais vous le dire clairement, j'ai 250 000 euros de déficit et je pense qu'il sera bien supérieur pour 2021. Donc, je vous répète qu'il faut vraiment avoir les reins solides et être une commune assez riche pour pouvoir supporter de tels déficits. Je ne vois pas comment je vais pouvoir compresser ce déficit. Je n'ai aucun levier. Voilà, vous savez que je viens du privé, Dieu sait que voilà. Mais vous pouvez comprendre qu'effectivement, j'ai un peu quelques difficultés à absorber ça. Voilà, donc je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. C'est très compliqué et je suis prête à répondre à tous ceux qui auraient envie, effectivement, de faire un centre municipal de santé. Je parle bien des centres municipaux de santé, je ne parle pas des maisons de santé ni d'autres structures. Mais ça, attention, voilà, c'est simplement, je voulais vous mettre en garde. Merci. Mais là, maintenant, je vous arrête le binôme. Et je passe la parole à Henri Delage. Et ensuite, à Sylvie. Alors, moi, je souhaite confirmer les propos de Christian Taillac. Sur la maison de santé d'Aimé, un médecin libéral est en train de former un infirmier pour travailler avec lui par le biais de protocoles. Et donc, je suppose qu'il le fait dans un cadre légal et que ce processus-là est en voie de développement. Je crois que nous ne reviendrons pas vers le nombre de médecins libéraux que nous avions antérieurement dans les territoires ruraux et qu'il faudra qu'un certain nombre de tâches qui ont été décrites par Christian soient déléguées à des infirmiers sous protocole. Il est possible, si on le souhaite, que le département se rapproche de ce médecin qui est connu de chez nous puisqu'il a été un de nos collègues dans des temps passés. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire effectivement pour le département dans le cadre de cette formation d'infirmiers protocolisés. Voilà. Merci. C'est tout. Merci, M. Delage. Sylvie Chevalier, clôture le débat sur cette question. Président, j'aimerais bien faire un appel aux parlementaires et peut-être suggérer une motion. Nous n'avons pas de problème dans notre département avec les pharmacies. Les pharmacies sont bien réparties et l'Ordre des pharmaciens a mis en place une règle du jeu qui paraît cohérente et qui nous permet, nous, département rural, de ne pas avoir de vrais problèmes par rapport à l'accès aux médicaments et aux conseils des pharmaciens. Nous en avons avec les médecins. Nous cherchons des solutions. On a un problème chez nous à Sigoulès qui est important, mais tous mes collègues peuvent en dire de même, c'est bien ce que je comprends. Donc, pouvons-nous demander aux parlementaires ou faire une motion pour appuyer ou demander qu'il y ait une pression de fait sur l'ordre des médecins afin qu'ils puissent appliquer la même règle que la règle des faite par les pharmaciens. Merci. Mes chers collègues, Thierry. Bon, Monsieur Sipierre, très court, Monsieur Sipierre, sinon on va y passer la journée. Alors, très très court, je crois que j'avais déjà dit ça en conseil départemental, qu'à la limite, nous, les pharmaciens, on a une répartition harmonieuse sur le territoire et qu'il faudrait négocier avec le conseil de l'ordre pour que les jeunes médecins ou les moins jeunes soient répartis harmonieusement parce que c'est une notion de service public et service médical et service sanitaire. Et je l'avais déjà dit en conseil départemental. Oui, je suis d'accord avec Sylvie Chevalier. Merci. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. On est un petit peu loin de nos compétences directes, mes chers collègues, mais n'empêche que c'est une préoccupation essentielle de nos concitoyens. Je veux vous rappeler qu'aucun gouvernement n'a jamais osé parler du conventionnement des médecins et du déconventionnement de médecins qui s'installent sur les côtes dans des endroits qui sont déjà surdotés. Parce que s'il n'y a pas des mesures législatives qui sont prises dans les prochaines années, je vous assure qu'on ne réglera pas le problème. Bon, on passe maintenant au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter ce dossier-là? C'est le 219. Pas d'opposition, il est adopté. On passe au 220.
Le 220, il s'agit des ajustements d'autorisation de programme et crédits de paiement pour le budget de la direction du patrimoine bâti. Il y a une opération qu'il s'agit particulièrement de mentionner, qui est donc la construction de nouveaux bâtiments pour l'unité d'aménagement de Ribérac. Nous avons acheté un bâtiment commercial qui est situé derrière la maison du département. Et cette opération, elle est réalisée à la demande justement d'investisseurs privés qui veulent récupérer les locaux actuels de l'unité d'aménagement pour faire une maison médicale. Donc on fait une opération en deux temps, on améliore notre implantation territoriale et on cède nos bâtiments existants à un investisseur qui va réaliser une maison médicale privée locale à Ribérac. Parfait, pas d'opposition sur le 220, il est adopté le 221. Le 221, il s'agit de voter la première tranche de 500 000 euros pour le budget participatif 2020. Pas d'opposition, il est adopté le 222. Le 222, donc il s'agit de voter les crédits liés aux subventions d'investissement. Donc dans cette DM2, la plus grande partie des crédits disponibles sont affectés à l'investissement. Et parmi les crédits d'investissement, il vous est proposé donc d'affecter 2 millions d'euros sur les différentes lignes, notamment des contrats au profit des communes et des intercommunalités. Cela permettra non seulement de répondre à l'engagement qui a été pris par le président de régler les subventions aux communes et intercommunalités dans un délai maximum de 12 mois, mais de réduire encore ce délai de 12 à 10 mois. Alors, vous avez été destinataire hier après-midi d'un amendement à la délibération qui ajuste les inscriptions d'autorisation de programme et de crédit de paiement, notamment en faveur du FEC, le Fonds d'équipement des communes. Et il vous est également donc proposé de valider la liste des bénéficiaires des crédits ainsi disponibles pour cette fin d'année. Il y a une cinquantaine de communes pour des opérations de petite taille qui vous est proposé d'agréer. Il y en a dans tous les cantons. Je pense que la totalité des demandes ont été satisfaites. Parfait. Pas d'opposition sur le 222. Il est adopté. Le 223. Le 223, il s'agit donc d'affecter l'autorisation de programme de 5 millions d'euros. Mais une partie de cette autorisation de programme de 5 millions qui a été votée en début de mandat pour les projets d'intérêt départemental. Donc les projets qu'il vous est proposé d'agréer concernent d'une part des équipements complémentaires sur le campus des métiers à Boulazac. Je vous rappelle que c'est une opération que nous avons accompagnée, qui est portée par le Grand Périgueux, que nous avons accompagnée lors de la mandature précédente en lien avec la région, l'État et les fonds européens. Donc là, il y a des aménagements complémentaires pour lesquels il vous est proposé donc d'affecter 300 000 euros. Il y a le subventionnement du renouvellement du matériel pour le centre départemental de gymnastique. Hein, donc c'est en réalité pour le centre départemental de gymnastique, mais l'équipement est réalisé par la ville de Boulazac. Donc, il vous est proposé de subventionner sur cette ligne départementale les 30 000 euros de matériel correspondant. Il y a ensuite 213 396 euros qui sont affectés à la légumerie que la communauté d'agglomération de Bergerac va réaliser dans les locaux de l'ancienne S4. Et ça s'inscrit dans le projet départemental de développement de la filière bio. Et il y a enfin la dernière opération qui est attachée à la création du centre Lascaux 4, qui a nécessité de la part de la commune de Montignac des aménagements complémentaires en termes d'assainissement qui sont directement liés à notre équipement. Et donc, il vous est proposé à ce titre de subventionner 60 500 euros pour la commune de Montignac. Parfait. La parole est à Thierry Bonnet. Oui, merci, Président. Alors, je voulais intervenir justement sur les deux dossiers, le 222 et le 223. Donc, le 222, j'ai bien compris qu'on permet aux communes qui n'ont pas consommé les crédits que leur avait permis la contractualisation 2016-2020 de proroger jusqu'en 2021, et on permet aussi à des petits dossiers d'être subventionnés. Ça, c'est une chose. Mais moi, je suis très inquiet
et je vous demanderai tout à l'heure dans mon intervention, Président, à ce que nous puissions réfléchir et vite. Vous savez vraisemblablement, et c'était aussi votre avis, que les élections départementales, au mieux, seront reportées en juin, au pire en septembre. On ne peut pas se permettre, compte tenu du contexte économique, de ne pas proposer aux communes et intercommunalités un projet dès maintenant pour 2021. Donc ça, je tenais à le dire sur le dossier 222, on l'a voté, il n'y a pas de souci. On votera aussi le 223. Mais concernant les projets d'envergure départementale, il y a quand même des choses qui sont un peu tirées par les cheveux. Je pense notamment à l'assainissement à Montignac. On me dit, effectivement, c'est le projet LASCO 4 qui entraînait ça. Moi, je vous ferai juste remarquer que sur la commune de Vélines, je vous en avais parlé, j'ai été obligé de sécuriser les abords du collège qui est de la compétence du département et je n'ai pas reçu un centime d'euro. Donc, je fais juste remarquer, on votera aussi le dossier. Et puis, enfin, sur la légumerie, je l'ai dit en commission hier, donc je ne surprends personne, je souhaite qu'il soit précisé que ce soit la légumerie du département de la Dordogne. Parce que vous savez que cette légumerie est amenée à traiter 400 tonnes de légumes, elle est dimensionnée pour traiter 400 tonnes de légumes, et que d'imaginer que sur le département de la Dordogne, on puisse en créer une deuxième, ça viendrait à fragiliser celle-ci, qui se trouve géographiquement, peut-être pas forcément au centre de la Dordogne, mais bien située pour pouvoir aussi accueillir des légumes produits en Lot-et-Garonne et sur les départements voisins. Donc voilà les remarques que je voulais faire sur ces deux dossiers, Monsieur le Président. D'accord. Alors, je vous apporte une réponse très brève sur la question de l'année 2021. Nos contrats s'arrêtaient, mes chers collègues, au 31 décembre 2020. Et les élections devaient se tenir normalement à la mi-mars, c'est-à-dire 3 mois après. C'est pour ça qu'on avait décidé d'ailleurs de prolonger la possibilité de passer des avenants jusqu'à la fin mars et on a décidé de la prolonger jusqu'à la fin juin. Pourquoi ? Parce que dans de très nombreux cantons, l'enveloppe n'a pas été totalement consommée et donc il reste des crédits qui peuvent être affectés, je vous le dis, qui peuvent être affectés, je sais, M. Wadé, que dans le vôtre, c'est consommé, mais qui peuvent être affectés jusqu'au mois de juin. Donc, il peut y avoir des signatures d'avenants dans vos cantons, et je viendrai avec les maires signer, j'espère que dès que la crise sera finie, signer ces avenants. Maintenant, ce sujet du fait que l'on est certain que les élections n'auront pas lieu au mois de mars, et que théoriquement, elle devrait se passer en juin, je pense qu'en effet, on peut se reposer la question de peut-être de créer une mini-enveloppe pour les 6 mois. On pourrait repousser le contrat de 6 mois, le prolonger de 6 mois, avec des crédits supplémentaires qui viendraient compléter les crédits qui sont déjà inscrits. Je vous propose qu'on règle ça au moment du vote du budget. Mais je tiens à dire à Thierry Boisdet qu'il ne faut pas dire aux maires qu'il ne faut rien faire, parce que vous savez quelle est la difficulté de monter un projet. Il faut se préparer, il faut faire les études, il faut s'assurer que le projet est bien prêt. Il faut ne pas oublier de demander l'aide de l'État. Tout ça, ça fait très largement du temps de travail, y compris dans le premier semestre de l'année 2021. Mais je suis d'accord pour qu'on essaie de voir comment on pourrait ajuster la période transitoire qui ira du 1er janvier au 30 juin 2021. Donc, je suis d'accord pour qu'on fasse un intergroupe, d'ailleurs, là-dessus, et qu'on le traite en assemblée. Mais avant, je suis d'accord pour qu'on en discute avec les présidents des groupes politiques. Voilà, mes chers collègues. Donc, est-ce que je peux considérer que le 222, le 223 sont adoptés ? Oui. Manquait la légumerie départementale, quand même. Oui, alors la légumerie, j'ai bien entendu. Il faut faire attention à quelque chose, M. Boisdet. Le département de la Dordogne, il est très vaste. Si demain, il y a besoin d'une légumerie à Terrasson, il ne faut pas me dire que tous les producteurs de terrassonnés doivent aller à Bergerac. Je dis ça tout à fait par hasard, ou à Nontron, ou à Sarlat. N'oublions pas que... C'est un exemple, Président.
C'est très bien, le président, que vous défendiez le terrassonné. Mais sur la question de l'achat, cette légumerie, elle s'inscrit dans un plan départemental. Ce plan départemental, c'est nous qui l'avons initié. C'est celui du manger local et du manger bio dans nos collèges. Vous savez qu'on a eu le premier collège de France il y a un an, il y a deux mois ou il y a un mois et demi, on a eu le deuxième collège de France à Mont-Saint-Bio et on travaille aujourd'hui sur la cité scolaire de Nontron. Et à Nontron, c'est le département qui a la responsabilité de la restauration scolaire, ce qui n'est pas le cas dans les trois autres cités scolaires où c'est la région. Mais j'espère qu'on pourra aussi s'engager. Mon projet, il est clair, c'est qu'on arrive à avoir 100% des collèges, 100% bio et locaux dans quelques années en Dordogne. Voilà. On l'a initié, on va continuer. Mais quand je parle du bio, en Dordogne, il ne faut pas oublier que le local, c'est aussi le Lot-et-Garonne. On ne va pas dire ça à Henri Delage, qui est voisin du département d'à côté. On sait très bien qu'en fruits et légumes, le département voisin du Lot-et-Garonne, il est plus armé que le nôtre. Le nôtre va faire des progrès, on va y arriver. Mais pour le moment, le local, ce n'est pas uniquement la Dordogne. Ça peut être un fournisseur qui est à Sainte-Foy-la-Grande ou des gens qui sont à Marmande. Voilà. Et je ne dis pas, et je ne suis pas sûr que dans quelques années, il n'y aura pas une deuxième légumerie qui s'installera ailleurs. Mais en tout cas, celle-là, elle a aujourd'hui un caractère départemental, c'est évident. Mes chers collègues, le 222 et le 223 ont été adoptés. On passe au 224. Le 224, il s'agit de voter les autorisations de programmes nouvelles, un petit peu plus de 400 000 euros et les crédits de paiement 280 000 qui permettent d'honorer les subventions que nous avons accordées aux entreprises donc, du secteur du bois et de l'agroalimentaire. Et également, il vous est proposé donc, de subventionner 7 dossiers qui étaient en attente, 7 dossiers d'entreprise qui figurent dans la délibération. Merci. Pas d'opposition. Il est adopté. On passe au 225. Le 225, donc, il s'agit d'accompagner donc, le projet porté par la communauté d'agglomération de Bergerac de créer donc, une société d'économie mixte donc dénommé Quai Cyrano, donc qui a pour objet de gérer le site de la Maison des Vins à Bergerac, qui, je le rappelle, donc, va regrouper trois fonctions distinctes. Premièrement, donc, la totalité des offices de tourisme du pays du Bergeracois. Donc, il y a une dynamique qui est créée localement qui est intéressante. Il y a également dans ce lieu qui est extrêmement emblématique à Bergerac, un espace de dégustation de vin qui est géré en lien avec la profession vitivinicole, avec IVBD. Et puis, il y a enfin une troisième partie du projet qui porte sur la création d'un espace touristique lié au personnage de Cyrano de Bergerac. Donc, le département, la communauté d'agglomération, donc a souhaité associer le département qui, dans cette affaire, serait actionnaire de façon minoritaire à hauteur de 11 000 euros, mais manifesterait donc son soutien à la démarche. Donc, il nous est proposé donc d'adopter les projets de statut de la SEM, d'entrer au capital à hauteur de 11 000 euros et de désigner donc Madame Sylvie Chevalier pour représenter le conseil départemental au conseil d'administration de cette nouvelle société d'économie mixte. Merci. Alors, Monsieur Boyer demande la parole. Oui, Président, mais bien évidemment qu'on votera, cette délibération, mais pour vous dire aussi que c'est une dynamique territoriale du Bergeracois qui perdure, aussi bien à travers le projet alimentaire de territoire, comme on l'a vu avec la légumerie précédemment, mais là, en l'occurrence, avec le tourisme, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en plus de la CAB, les trois autres communautés de communes du territoire sont aussi membres de cette chaîne. Et donc, il y a vraiment, je tenais à souligner la dynamique qu'on a entre collègues sur ce territoire. Nous aurons d'ailleurs au 1er janvier réussi
sur l'ensemble du Bergeracois à harmoniser la taxe de séjour. Et nous mettons maintenant en commun nos projets touristiques à travers cette SEM. Parfait. Mme Chevalier a demandé la parole. Oui, Président, c'était pour vous remercier de votre confiance si je suis nommée dans cette SEM pour représenter le département. Et justement, appuyer un petit peu ce qu'a dit Thierry Boisdet sur et Marc sur cette dynamique et sur la qualité de cette dynamique de collaboration et de mutualisation d'un territoire entier, parce qu'on est toujours plus fort. Et je sais que ce n'est pas toujours facile pour les EPCI qui sont un peu éloignés de la partie centrale qui est Bergerac, de se reconnaître dans un point donné. Donc je salue cette dynamique qui pose à Bergerac ce Caissierado. Très bien, parfait. Mes chers collègues, le 225 est adopté. On passe au 226. Le 226, il s'agit là donc d'entrer au capital également d'une nouvelle société d'économie mixte qui est la société d'économie mixte des abattoirs de Bergerac. Donc, lors du mandat municipal précédent, donc Daniel Garrigue, l'ancien maire, avait déjà sollicité le département. Et donc, M. Jonathan Priolo donc, poursuit ce projet qui consiste à créer un outil spécifique, donc en l'occurrence une société d'économie mixte pour gérer les abattoirs de Bergerac. Le département, donc le président avait manifesté donc un intérêt de principe pour soutenir la démarche à deux conditions. D'une part, que les apporteurs privés entrent au capital de la SEM et que d'autre part, le modèle économique atteste de la perspective d'un équilibre financier de la société d'économie mixte. Donc des éléments plutôt rassurants ont été donnés sur ces deux points. Donc il vous est proposé d'entrer au capital de la SEM à hauteur de 80 000 euros, c'est-à-dire que là encore, notre contribution, elle est minoritaire, et de désigner trois représentants du département pour siéger donc, au conseil d'administration de la SEM, en l'occurrence, Mme Cécile Labarthe, M. Thierry Nardou et M. Thierry Boisdet. Très bien. Mes chers collègues, cette question des abattoirs, elle est primordiale pour la Dordogne. S'il n'y a pas d'abattoir en Dordogne, il n'y aura pas de local, il n'y aura pas de consommation locale en Dordogne. Il faut bien comprendre ça. Si on veut généraliser les circuits locaux et les circuits courts, ça passe par des abattoirs qui soient sur notre territoire. Alors, la solution à Bergerac, je m'étais engagé auprès de Daniel Garrigue il y a quelques mois. À Thiviers, il semble qu'une solution tout à fait satisfaisante est en train de se mettre en place. Il reste la question de Aimé tient le coup pour le moment. Il reste la question de Ribérac. Je ne sais pas ce que le maire de Ribérac envisage aussi, mais si on laisse disparaître nos abattoirs locaux, ça sera un coup très dur porté à l'élevage qui n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et sans compter que bon nombre d'abattoirs périphériques, comme celui de Gourdon, ont disparu au cours des dernières années. Donc, on sera obligé de reparler de ce sujet. Et ce sujet ne peut pas être porté uniquement par la ville de Bergerac à Bergerac, par la ville de Ribérac à Ribérac. À Thiviers, ce n'est pas pareil, c'est une société privée. Mais à partir du moment où il y a une municipalité qui s'engage, il faut qu'il y ait un territoire qui s'engage autour, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors, Jacques Zou. Président, c'est pour ces raisons que l'agglomération rejoigne cette société d'économie mixte également, puisque ça concerne le territoire vernois, et donc on sera partie prenante. Par contre, je veux attirer ton attention et l'attention de tout le monde. J'ai reçu dernièrement des professionnels de la VIA qui ont attiré mon attention sur une problématique que je n'avais pas vue moi. C'est qu'il y a certes un désert médical en Dordogne, il y a un désert vétérinaire. Les vétérinaires pour les petits, les chats et les chiens, il y a à peu près ce qu'il faut. Mais ce qu'on appelle les vétérinaires de vaches, ben c'est un manque cruel. Je crois qu'il existe un vétérinaire vers Mussidan qui est complètement… voilà, il y aura aussi cette problématique pour la santé animale. Il faudra qu'on soit vigilant aussi. C'est parfaitement exact. Et j'avais d'ailleurs réuni la Fédération nationale des vétérinaires ici
au département il y a déjà plus d'un an, parce qu'ils cherchaient des possibilités eh bien, d'assurer la pérennité des cabinets vétérinaires, notamment ceux qui s'occupent des bovins ou des équins, c'est-à-dire du bétail, de l'élevage, parce que les vétérinaires qui s'occupent des canaris et des chiens et des chats, il y en a, mais pour ce qui est de la vie rurale et du rapport à l'élevage, eh bien, c'est la même chose qu'en santé humaine. La raréfaction est aujourd'hui de mise. Monsieur Bousquet. Oui, je croyais que vous vouliez me conseiller de reprendre mon activité de vétérinaire. Mais vous pouvez. Vous seriez peut-être beaucoup plus utile, monsieur Bousquet, pour consacrer votre métier de vétérinaire. Je vous signale que la fédération réfléchissait à demander à salarier, c'est la demande qui m'a été faite, hein, de demander au département de salarier des vétérinaires dans les grandes zones d'élevage. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale. Donc, les difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure pour le centre départemental, elles seraient multipliées par 100 si on s'occupait de ça. Mes chers collègues, donc le 226 est adopté. Je vous en remercie. On passe au 227. Le 227, il s'agit d'attribuer une subvention d'équipement au comité départemental du tourisme pour le renouvellement de son site internet, 30 000 euros. Parfait. Il est adopté le 228. Le 228, c'est un rapport de régularisation des écritures pour bien distinguer les imputations qui ont trait aux acquisitions foncières et aux travaux sur les sites départementaux. Très bien, il est adopté le 229. Le 229, il s'agit donc d'ajuster les crédits d'investissement de la direction de la solidarité et d'attribuer une subvention à l'ADEPAP, dont on a parlé tout à l'heure en fonctionnement, pour l'aider à renouveler la chaudière des locaux qu'elle occupe à Périgueux. Les questions des bâtiments sociaux, le 230. Les bâtiments sociaux, il s'agit des ajustements de fin d'année sur les différents chantiers qui concernent nos services sociaux. Merci. Le 229 et le 230 sont adoptés. Le 231. Le 231, il s'agit des ajustements de fin d'année pour le service de l'agriculture et de l'attribution d'une subvention d'investissement à la maison familiale et rurale du Périgord Vert à Tilliers. Très bien, pas d'opposition. Le 232. Le 232, il s'agit en fait d'adopter les différentes conventions liées à notre financement de la Chambre d'agriculture de la Dordogne à hauteur de 380 000 euros au total. Très bien. Il est adopté le 233. Le 233, ce sont des ajustements à la baisse d'un mineur de fin d'année sur le service aménagement de l'espace et de la transition énergétique. Parfait, il est adopté le 234. La même chose pour le service des milieux naturels et de la biodiversité. Il est adopté le 235. Le 235, il vous est proposé donc, de financer une étude et de mener une expérimentation en matière d'assainissement collectif. Hein, et donc, sur ce dossier particulier, d'agréer le principe de cette expérimentation. Parfait. Il est adopté le 236. Le 236, il s'agit de voter les crédits complémentaires pour le financement de notre programme de voirie. Donc, il y a un petit peu plus de 500 000 euros supplémentaires qu'il vous est proposé d'affecter. Dans le détail, vous avez été destinataire, là encore, hier après-midi, d'un ultime ajustement pour que on puisse consommer donc la totalité des crédits votés. Donc il s'agit d'un virement complémentaire de 200 000 euros qui est sans incidence sur l'équilibre global du rapport. Bien. J'ai vu qu'on parle d'un contournement, mais il s'agit de celui de Bergerac. Donc tout le monde va voter. On peut passer au suivant, c'est le 238. Non, c'est justement le 236, on l'a adopté. Ah, le 236 est adopté, on passe au 237. Et c'est le 237 qui a trait effectivement au contournement de Bergerac. Donc dans ce cadre-là, il y a eu des déclassements de voirie avec remise en état
et financement par le département. Donc il s'agit d'honorer nos engagements avec la ville de Bergerac pour le déclassement d'une partie de la route départementale 32. Tout le monde est d'accord sur le 237 ? Il est adopté. On passe au 238. Le 238, ce sont les ajustements donc, de fin d'exercice pour honorer nos programmes de travaux sur nos bâtiments et sur nos sites. Parfait. Il est adopté le 239. Le 239, là aussi, vous avez été destinataire donc, d'un amendement de dernière minute. Il s'agit d'ajuster les crédits d'investissement et notamment d'optimiser les différentes enveloppes pour attribuer les subventions d'équipement que nous délivrons à notre office public d'HLM Périgord Habitat. Très bien. Je regarde, il est adopté le 240. Le 240, donc il s'agit donc de valider des financements au titre du fonds de soutien à la production cinématographique. C'est en fait l'application de la convention que vous avez validée tout à l'heure avec le CNC et un certain nombre d'autres partenaires. Et il s'agit là donc de participer au tournage de 4 films ou téléfilms qui doivent avoir lieu prochainement dans le département. Parfait. Il est adopté le 241. Donc le 241, il s'agit d'ajuster à la baisse en fait, les crédits qui sont nécessaires pour attribuer les prêts d'honneur aux étudiants d'enseignement supérieur. Parfait. Une opération qui fonctionne. On a à peu près 40 dossiers par an. Le 242. Le 242, il s'agit de régulariser les écritures comptables en autorisation de programme et en crédit de paiement en lien avec la commune de Sarlat pour l'aménagement des abords du collège. Très bien. Il est adopté le 243. Le 243, il s'agit donc d'attribuer une subvention minime à l'association qui est propriétaire donc, du temple protestant du Flé, hein, qui nécessite des travaux. Donc ce bâtiment est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et c'est à ce titre qu'il nous est proposé d'intervenir à hauteur de 3 568 €. Il s'agit d'une aide au patrimoine et non pas d'une aide au culte. Sinon, vous m'auriez repris. Pas d'opposition, il est adopté le 244. Donc le 244, il s'agit d'ajustements de fin d'année pour permettre aux archives départementales donc, voilà, d'avoir les crédits nécessaires sur les bonnes lignes de crédit, en l'occurrence du matériel et du mobilier à hauteur de 1 000 €. Parfait. Mes chers collègues, on a fini avec les investissements. Il reste le rapport sur cette DM2. Écoutez, je vais vous savez qu'elle s'équilibre à 4 433 942 euros, c'est-à-dire qu'elle représente moins d'1% du budget de la Dordogne et elle marque notre volonté de soutenir l'investissement dans ce département. Puisque la partie de l'investissement, c'est 3 800 000 euros, et la partie du fonctionnement, c'est 547 000 €. Je noterai des dossiers importants, notamment un ajout de 3 millions d'euros pour les subventions aux communes qui feront, mes chers collègues, que pendant cette mandature, on aura réduit les délais de paiement des communes qui étaient de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. On les aura réduits. Il est apprécié, en tout cas, par nos collègues. Je peux vous l'assurer. Et bien sûr, je ne peux que rappeler l'aide que nous apportons au monde économique, aux artisans, aux commerçants, à tout un tas de gens que l'on appelle les petits, parce que ce ne sont pas des grandes entreprises, mais qui forment le tissu économique, une grande partie du tissu économique de la Dordogne, et qui aujourd'hui connaissent des difficultés très importantes et qui vont s'aggraver encore, puisque vous avez entendu les dernières nouvelles, mais le Premier ministre parlera ce soir.
on annonce que les bars, les restaurants ne pourraient pas ouvrir d'ici le 15 janvier. Alors, ce n'est pas certain, mais ça veut dire qu'ils ne pourraient pas travailler pendant les fêtes de Noël, ce qui peut se comprendre pour des raisons sanitaires. Il y a pas de... Moi, je ne porte pas de jugement, mais il faut savoir que sur le plan économique, ce sera difficile. J'ai reçu hier soir la Fédération française du bâtiment pour ce qui concerne la section de la Dordogne. Et je peux vous assurer que autant il n'y a pas eu de trou à la reprise au mois de mai, autant ils appréhendent une baisse d'activité pour l'année 2021 parce que une grande partie de ces commerçants, une grande partie des artisans, une grande partie des propriétaires de camping, etc., etc., de tous ceux qui ont des difficultés économiques, forcément, feront moins de travaux, ne feront pas du tout de travaux au cours de l'année 2021, donc ils s'attendent à une baisse et ils comptent beaucoup, bien évidemment, sur le soutien des collectivités, qu'ils soient directs sur nos bâtiments ou qu'ils soient indirects à travers les aides. Je propose de donner la parole au président de groupe politique et ensuite on passera au vote. Donc, si M. Bousquet veut commencer, ou M. Boisdet, je vous donne la parole. Ensuite, M. Lezou, ensuite M. Delage. Bon, je serai très court, donc je vais commencer. Ça a été dit, on est en période de crise sanitaire, sociale, économique, et que le moment n'est pas aux polémiques. Donc, mon groupe s'abstiendra sur ce dossier, dont votre prédécesseur, Monsieur le Président, disait que lorsqu'une opposition n'est pas vraiment contre, elle s'abstient. Voilà, donc je vous laisse interpréter ce que je vous dis. On aura l'occasion, au prochain budget, de voir si notre département se sort mieux de la crise que d'autres départements. Ça sera un vrai état des lieux, voire bilan, voire analyse de votre mandature. Si on fait moins bien que les autres, c'est qu'on n'aura pas été bon. Si on fait aussi bien que les autres, c'est que vous aurez à peu près bien travaillé. Donc, on analysera ça à ce moment-là et on verra quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour relancer l'investissement, la croissance dans notre département. Les aides que vous aviez envisagées dans la conférence des territoires pour les agents de développement économique et en particulier les intercos, je vous ai dit que nous étions bien entendu favorables et prêts à travailler avec vous, à moins que ça soit un outil électoral. Et là, nous ne pensons pas que vous soyez capable de ce genre d'attitude. Vous pensez plus à l'intérêt de la Dordogne qu'à l'intérêt de votre majorité aux futures élections. Donc, c'est l'avenir qui nous confirmera ou nous infirmera dans cette position. Sur ce budget, nous nous abstenons et le vrai débat aura lieu au prochain budget qui engagera des éléments pour relancer l'économie et lutter peut-être aussi socialement contre la crise sociale qui subiront un certain nombre d'habitants de ce département. Et on verra que votre proposition de travailler ensemble, notamment avec les intercos au niveau de l'économie, si ce sera une proposition honnête. Et à ce moment-là, nous essaierons de la façon la plus honnête de vous dire ce que nous en pensons. Voilà, M. le Président, mes chers collègues. Et je vous remercie aussi pour les mots de sympathie que vous avez eus à l'occasion du décès de ma maman. Voilà, merci à tous. C'est tout à fait normal. Monsieur Boisdet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vais essayer d'être très court aussi, puisque, comme ça vient d'être dit, on vote une DM2 dans des conditions extrêmement particulières et dans une période de crise sanitaire, mais malheureusement qui va déboucher sur une crise économique sans précédent. Donc nous, concernant le rassemblement de la Dordogne, on a quelques points à vous demander. On voudrait pouvoir obtenir, je crois que Joël Huth, lors d'une session précédente, avait demandé avoir un détail par poste du budget
de communication, c'est-à-dire ce qui a été fait pour le budget participatif, pour Benac, pour les prêts aux étudiants, etc., si on pouvait avoir un détail de ce compte-là. Ensuite, vous avez remarqué qu'il y a un dossier sur lequel je n'ai pas souhaité reprendre derrière vous, etc., quand on n'a pas voté le poste afférent au personnel. Il y a un poste qui nous dérangeait dans cette DM. On n'a rien effectivement contre le fait d'accélérer les dossiers à la MDPH, les dossiers d'aide à la pierre, etc. Et ce qu'on avait reproché, c'est qu'effectivement, ça soit tout mis dans une même délibération. On l'a fait remarquer à plusieurs reprises durant le mandat. J'ai une autre demande, mais vous avez entrouvert la porte tout à l'heure. Je souhaite, moi, Monsieur le Président, qu'effectivement, en présentiel, nous sommes que 4 présidents de groupe, plus vous, ça fait 5, on puisse se réunir. Je pense que la salle d'URSA peut nous permettre les distanciations, parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont importants à traiter. Aujourd'hui, donc, nous nous abstiendrons sur cette DM2. Nous sommes, pour vous montrer que nous sommes aussi une opposition constructive, qui amène du débat, parce que je vous ferai remarquer que ce matin, lors de cette session, c'est le rassemblement de la Dordogne, bien souvent, qui a amené du débat très intéressant. Et à un moment, vous avez dit, on est loin de nos compétences lorsqu'on a parlé de la santé. Mais je vois quand même souvent, si on veut prendre les compétences que sont celles obligatoires du département et celles sur lesquelles le département intervient, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut intervenir et débattre. Et je trouve que justement, cette assemblée, elle est aussi faite pour ça. Et moi, je pense, Monsieur le Président, que le rassemblement de la Dordogne, ce matin, veut vous montrer une voie, et une voie qui est une autre manière de faire de la politique. Moi, je pense que cette crise sanitaire, elle va bouleverser notre démocratie, nos modes de fonctionnement. Elle va bouleverser l'état d'esprit de nos concitoyens. Je n'ai pas le sentiment, je suis même persuadé du contraire, que ce soit en mars ou en juin, les périgourdins, leur première préoccupation, soit les chicayas d'élections départementales ou régionales, entre de la droite ou de la gauche, une majorité, une opposition. Et moi, Monsieur le Président, et mon groupe, nous voudrions vous amener à réfléchir, et je le proposerai lorsque nous nous verrons entre présidents, à peut-être, comme nous le faisons déjà, dans nos communes, dans nos intercommunalités. Vous avez vu ce matin des dossiers du Grand Bergeracois, où 4 intercommunalités, et sachez que Frédéric Delmarès, président de la CAB, siège dans la majorité, que Thierry Guadet, président de Montagne-Montréal-et-Gurson, siège dans l'opposition, sur les dossiers d'intérêt général, nous savons nous retrouver. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette crise nous amène à dire que sur des dossiers locaux, comme sont les dossiers du département, l'heure est venue à faire de la politique autrement. Et cette voie-là que nous entendons vous montrer, Monsieur le Président, avec le groupe Le Rassemblement de la Dordogne, dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie. Très bien, merci Monsieur Boisdet. Monsieur Ouzou. Président, il n'y aura pas de surprise, le groupe communiste et Front de Gauche votera cette EDM. Toutefois, Président Germinal, je veux attirer ton attention sur un sujet, qui est le suivant. Nous, notre responsabilité au titre du département, aménageur du territoire, essayant de trouver un équilibre entre le rural et l'urbain, doit à une responsabilité particulière au moment de la relance. Et je veux t'exprimer une inquiétude, parce que je le vois en tant qu'élu à l'agglo, en tant que maire. Aujourd'hui, il faut sauver tout ce qui est possible de sauver au titre des artisans, des commerçants, etc., etc. Nous avons un tissu associatif qui est très riche également. Oui. Mais il y a un piège qu'il faut qu'on évite au niveau du département. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous n'avons pas la responsabilité de toute la chose publique. Il faut qu'on soit très vigilant, Président, pour que le département n'apparaisse pas comme un boucheur de trous. Et qu'on se retrouve dans l'incapacité d'aider à la relance. Parce que la tentation, je le vois, les associations viennent nous voir, etc. Tout le monde nous explique qu'ils ont des difficultés et tout le monde n'a qu'une idée, c'est que le département, les communes viennent combler leurs difficultés. Il faut le faire dans une certaine mesure, bien sûr. Mais
n'oublions jamais que notre responsabilité, quand on sera sorti de cette crise, c'est de pouvoir relancer la vie économique, la vie associative. On va laisser les gens sur le bord de la route, c'est sûr. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est aux politiques nationales de corriger cela. Et en particulier, je suis prêt à m'associer à toutes les démarches que tu voudras bien engager. Il est anormal que la solidarité nationale pour le RSA, etc., ne soit pas justement compensée par l'État. Mais nous, il ne faut pas qu'on devienne un boucheur de trous. Il faut qu'on garde la capacité de pouvoir relancer la machine économique. Voilà. Mais c'est une remarque qu'il a. C'est simplement un moment, une remarque au moment, parce qu'on sent, on a une pression énorme du tissu commercial, artisanal, etc. Excusez-moi, les communes et les départements ne sont pas en responsabilité de la politique nationale. Nous avons à faire ce qu'on peut faire, mais nous, notre rôle, c'est d'être au rendez-vous de la reprise économique. Voilà. Très bien. Merci, merci Jacques. Alors, Henri Delage. Monsieur Delage. Henri. Monsieur Delage. Problème de liaison. Monsieur Delage. Ah. Monsieur Delage. Je pense qu'il vote l'ADM, Président. Oui, alors je n'étais pas sûr que je voyais, mais merci de le confirmer. Bon, écoutez, Henri, si Henri nous rejoint, il va prendre la parole, il prendra la parole, mais ce n'est pas un scoop, je pense qu'il va voter l'ADM. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette session. Ah oui, il y a l'émotion. Alors, l'émotion, on va faire voter l'émotion et je dirai quelques mots, peut-être qu'Henri sera revenu. Alors, sur le soutien aux artisans et commerçants de proximité, est-ce que vous êtes d'accord pour la voter? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Cette motion est présentée par le groupe RDD, je vous signale. Pas d'opposition, donc elle est approuvée. Il y en a une autre sur la ligne SNCF, Périgueux-Agen. Y a-t-il des oppositions? L'abstention ? Pas de problème. Je n'en vois pas. Elle est adoptée. Et sur le financement des allocations individuelles de solidarité, y a-t-il des oppositions ou abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc, elles sont toutes les trois adoptées à l'unanimité. Un mot pour terminer. Je pense que la crise nous oblige à réfléchir autrement. Et pour ce qui me concerne, on n'est pas au bout du mandat. Il y a encore quelques mois. Mais il me semble que j'ai essayé de faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble avec un seul objectif, l'intérêt des Périgourdins. C'est toujours ce qui m'a animé, c'est ce qui continuera à m'animer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je comprends ce que dit Jacques Ozou quand il dit « Ne soyons pas uniquement des bouches-trous, il faut garder notre capacité à investir ». Et c'est d'autant plus vrai, mes chers collègues, que ce dont souffre la Dordogne aujourd'hui, en dehors de la crise sanitaire, c'est vraiment la question de l'économie. Si nous perdons nos jeunes, si notre département vieillit, c'est parce que notre économie n'est pas suffisante pour les maintenir et pour arriver à ce que chacun, pour ceux qui le veulent, puisse réussir leur vie dans leur département. Mon seul souci, c'est ça. Mon seul souci, c'est comment on fait pour que les jeunes périgourdins qui ont envie de rester ou qui ont envie de revenir dans ce département aient la possibilité de le faire. C'est ça qui doit nous animer. Et ce n'est pas quelque chose d'évident, parce que dans le secteur industriel, dans le secteur du tourisme, on le voit aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, eh bien, il y a des réussites, mais il y a aussi des fragilités. Donc moi, j'espère qu'en effet, on gardera les moyens à travers nos investissements directs, à travers les investissements portés par les intercommunalités ou par les communes, mais aussi par une forme d'aide directe aux entreprises et à l'économie. J'espère qu'on arrivera à relever ce défi.
Je ne sais pas si Henri Delage est arrivé. Il nous entend, mais il faut qu'il nous entende. Bon, il nous entend, donc il active son micro aussi, je vous propose de dire qu'Henri Delage nous appelle à voter la DM2. On le voit bouger un peu. Henri, appuie. Appuie sur ton micro. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir participé à ces travaux. Et surtout, prenez soin de vous et évitez les rassemblements. S'il y a une consigne à faire passer au Périgourdin, évitez de vous rassembler en grand nombre. Je crois que c'est une erreur majeure. Il faut que tout le monde soit très prudent dans les semaines qui arrivent. Bon après-midi à tous et merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.